As an Indigenous woman from my community, it is very important that we speak for ourselves and not speak for other people. And without them, everybody here to speak for themselves, we cannot have an equal gathering and move forward in a balanced way. And this is unfortunate because that means we have a long way to go before we win our fight against the nuclear monster. So, thank you. Et on va tous chercher nos informations. J'insiste aussi sur le fait que c'est important qu'on ait des bonnes informations, qu'on ne donne pas des arguments qui sont des arguments trop approximatifs, parce que ça nuit à notre crédibilité. Et donc il faut effectivement donner des éléments de formation. Alors une fois que j'ai dit ça, je dis aussi qu'on est en auto-formation, et je vais préciser, j'ai un peu de connaissance sur les questions de flotte parce que je suis militant de ce qui s'appelait Loire Vivante depuis les années 90. Et que ça s'appelait Loire Vivante, c'est une association, je suis très fier d'y avoir appartenu parce que c'est une des associations qui ont gagné. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait un problème de 4 barrages et il y en a un qui a été construit et 3 autres ont disparu. Ce qui est quand même un assez joli palmarès et tout. Et puis ça a fait changer beaucoup de conceptions sur la Loire. Et donc, voilà. Donc j'ai de ce côté-là un peu de compétence et c'est comme ça que moi je suis tombé. Enfin, j'ai rencontré les centrales nucléaires. Vous voyez que les centrales nucléaires, forcément, sur un val qui est forcément très impacté par les centrales nucléaires. Mon but, c'est de montrer que ce n'est pas que visuel. Il y a beaucoup de choses, y compris des éléments d'aménagement qui sont faits à cause des centrales. Voilà. Donc, sur les questions de centrales, j'ai une connaissance assez approximative. Les dernières connaissances que j'ai eues, c'est quand on m'a fait visiter une centrale nucléaire et j'ai pu poser des questions directement au directeur de centrale, ce qui m'a un peu aidé, mais j'ai quand même un peu vérifié un certain nombre des données que je vous donne. Je commence sur la question de refroidissement des centrales nucléaires. La première chose que je veux, sur laquelle je vais attirer votre attention, et c'est probablement quelque chose que vous ne savez pas tous, c'est la différence qu'on fait quand on travaille sur l'eau entre le prélèvement et la consommation d'eau. Un prélèvement d'eau, c'est vous êtes dans un milieu, vous prenez de la flotte, etc. Mais après, qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, il y a deux grandes façons de le faire. Soit vous restituez assez rapidement l'eau au milieu, au même bassin versant et dans un périmètre proche. Et dans ce cas-là, vous voyez bien que vous perturbez moins le cycle que si la flotte que vous avez récupérée part dans l'atmosphère. Parce que dans ce cas-là, la flotte, elle n'est pas perdue. La flotte, elle finit toujours par retomber quelque part. Mais elle est absolument perdue pour le milieu dans lequel vous travaillez. Et donc l'écosystème est évidemment beaucoup plus perturbé. Et donc, quand on travaille sur la flotte, en général, on fait la différence entre prélever, consommer. Alors, je vais vous faire un exemple très rapidement. L'eau potable, vous prélevez beaucoup, mais vous ne consommez pas énormément. Vous la renvoyez au milieu, certes dégueulasse, mais si vous la traitez, elle va quand même dans le milieu. En gros, les gens de Tours boivent la flotte que les gens de Blois ont rejetée dans leur station d'épuration, et eux-mêmes à Blois, ils les récupèrent de la station d'épuration d'Orléans, etc. La même flotte va servir plein de fois et va aller dans les chiottes de tout le bassin, mais pas que, aussi. Ouais. Et donc, cette donnée-là est une donnée différente de ce qui se passe quand un agriculteur fait tourner son irrigation, surtout si elle le fait par aspersion, et que tout ça s'en va tranquillement dans l'atmosphère. Même si c'est la plante qui fait, la plante quand même, elle a beaucoup d'évapotranspiration, ça part aussi dans l'atmosphère, et vous ne la retrouvez pas dans le milieu immédiat, ça s'en va ailleurs. Et donc il y a une différence assez importante entre prélever et consommer. Et vous allez voir que l'EDF joue sur ça, sur les statistiques. Quand on y regarde bien, on s'y perd parce qu'il mélange gentiment les deux. Mais je vais y venir après. Alors, on vient sur les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires, elles ont un énorme besoin de refroidissement. Vous savez tous, parce que vous avez tous suivi les gigawatts, j'imagine, que l'énergie nucléaire est une énergie thermique. Et que les deux tiers de cette énergie thermique est gâchée et n'est pas utilisée, puisque, en gros, il y a un principe dit de Carnot qui dit que quand vous avez de l'eau chaude et que vous la transformez quand vous avez une énergie thermique et que vous la transformez en énergie mécanique, ce
qui est le cas d'une énergie électrique, puisque grosso modo c'est un alternateur et après ça fait de l'électricité, quand vous transformez en énergie mécanique, vous avez un rendement qui est de l'ordre de 35%, en gros un tiers. Et donc vous perdez les deux tiers de votre énergie en chaleur non récupérable. Elle pourrait être récupérable. Si vous, on élève des crocodiles avec et tout, enfin ça ne suffit pas beaucoup, ça ne suffit pas à éponger l'ensemble de l'énergie. Et donc les centrales nucléaires doivent disperser de la chaleur, doivent se refroidir. Et leur se refroidir, c'est massif, hein, il y a beaucoup de chaleur à enlever. La première méthode qui a été utilisée, ça consistait à aller chercher de la flotte dans un milieu, la faire venir au contact du circuit secondaire. Peut-être que pourrait que j'explique ça, non, vous savez juste ça, quand même, secondaire, tertiaire, on y reviendra peut-être après si vous voulez. La mettre au contact avec le circuit secondaire, et par échange de chaleur, le circuit secondaire baisse sa température, et le circuit tertiaire, celui que vous avez amené, augmente sa température. Il faut des quantités de flotte considérables pour faire ça. Considérables. On estime que pour un réacteur, il faut 50 mètres cubes par seconde, 50 mètres cubes par seconde, pour arriver à faire ce refroidissement-là. 50 mètres cubes par seconde, pour vous donner une petite idée, sa petite rivière, elle est complètement en dehors du coup, on est au-dessus de l'étiage de tous les affluents de la Loire, y compris de la Loire, 50 mètres cubes par seconde, largement, et tout. L'étiage, c'est le niveau le plus bas d'une rivière. La Loire, elle ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire du refroidissement sur le courant avec la Loire. Alors, où est-ce qu'on fait le refroidissement qu'on appelle, qu'on prend directement, je dirais après, ça s'appelle circuit ouvert dans ce cas-là. C'est-à-dire que vous avez l'eau qui arrive, elle repart à plus haute température, mais elle repart toute et elle retourne dans le milieu. Évidemment, vous voyez bien que le meilleur endroit pour faire ça, c'est la côte. D'accord ? C'est la côte. Parce que, alors avec les inconvénients qui vont avec, c'est quand même un peu d'eau salée, donc il y a un certain nombre de problèmes. Mais en tout cas, vous pouvez prendre des quantités considérables de flotte et tout, vous les faites passer, vous les ressortez, ça réchauffe un peu à côté, c'est réglé, vous avez le débit. Et puis il y a deux rivières qui permettent de faire ça. Les deux rivières, c'est le Rhin. Donc Fessenheim est en circuit ouvert, et le Rhône, il y a deux réacteurs de Bugey qui sont en circuit ouvert, et il y a les réacteurs de Culas, si je ne me trompe pas. C'est les seuls qui sont en circuit ouvert. Ça suppose d'avoir d'énormes débits de flotte qui passent par les routes. Voilà. Tout ça pour sur le monde, il y en a pas mal. Tout ça vous regarderez, d'accord, et tout. Moi j'ai un document EDF, je les ai comptés, j'en ai trouvé ça. Et alors comment on fait quand on a cette flotte? Alors c'est là qu'interviennent les espèces de gros machins là, que vous avez vus, les tours aéro-réfrigérants, qui sont sur un autre principe, le principe étant que quand vous faites évaporer de l'eau, vous avez besoin d'une énergie très considérable pour faire évaporer. Vous avez tous cette expérience-là, quand vous faites chauffer votre flotte, le moment où il y a de l'évaporation, il faut continuer à apporter de la chaleur, vous ne montez plus la température, mais il faut beaucoup d'énergie pour évaporer. C'est aussi le même mécanisme qu'on utilise quand on veut refroidir la gare de Marseille, qui fait trop chaud, on balance de la flotte sur la façade, cette flotte s'évapore, ça produit du froid. Et c'est comme ça que la gare de Marseille est vivable quand il y a trop de chaleur. C'est le même mécanisme. Ce mécanisme-là, il est utilisé largement dans les centrales nucléaires à circuit fermé. C'est-à-dire que là, on va pomper dans la rivière de l'eau, on la balance, en gros on la balance sur les tours, ça produit de l'évaporation, d'où cet immense nuage panache qui en sort, ça produit du froid qui refroidit le circuit secondaire et qui ramène le circuit secondaire à une température normale qui lui permet de re-rentrer dans la machine à vapeur. Cette évaporation, évidemment, elle consomme. Et donc la question qui se pose, c'est combien est-ce qu'elle consomme? Alors, sur l'EDF produit un certain nombre de documents d'où il ressort que, en moyenne, pour un réacteur, je donnerai les précisions après, pour un réacteur, on prélève 2 m3 par seconde dans la rivière.
2 mètres cubes par seconde. Je vous donnerai après des estimations des étiages. Vous verrez que ce n'est pas rien, 2 mètres cubes par seconde. Mais c'est quand même que 2 mètres cubes par seconde, vous comparez avec les 50 mètres cubes de tout à l'heure, ce n'est pas la même chose. Ça prélève 2 mètres cubes par seconde, et ça en renvoie dans la rivière, parce qu'il n'y en a qu'une partie seulement qui s'évapore. En moyenne, on considère que c'est 0,75 mètres cubes par seconde qui est évaporé. Alors, 0,75 mètres cubes par seconde, vous imaginez une seconde, toc, toc, 0,75 mètres cubes, c'est 150 litres. Toc, toc, 750 litres. Ça vous explique un peu le panache. Hein, par c'est seconde. Pas, c'est pas rien, par seconde, hein, une seconde. Toc, toc, voilà, il y a 750 litres. Hein. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est moins que 50 mètres cubes. Non, mais c'est lié quand même. Hein, et c'est lié. Donc voilà, mais je vous le donne. Et ça, c'est tous ceux qui sont à circuit fermé. Alors, ils sont dans des tours. Les tours sont... Le standard, c'est 178 mètres. C'est des tours de Belleville, puis sans doute d'un certain nombre d'autres centrales, et Cibo. Ça fait 178 mètres. Et tout. Et puis, à certains endroits, il y avait des châteaux de la Loire, c'était plus compliqué, il y avait des choses et tout. Et donc, à Saint-Laurent, c'est 120 seulement, parce que Chambord est pas loin. On suit des arbres et tout, c'est 120, et à Chinon, où là, il y a c'est 30 mètres. Par contre, ils sont des bocaux absolument considérables. Voilà. Et donc, il y a une consommation, et il y a une consommation relativement importante. Alors, maintenant, je vous ai dit qu'il y avait, moi j'avais compté une dizaine de circuits ouverts sur rivière. Et toutes les autres sur rivière, c'est-à-dire, je vais avoir un chiffre que je vais aller chercher, je ne fais pas qu'à faire autant que je vous donne les bons. Alors, les ouverts, d'après leur décompte, c'est 28 qui sont ouverts, 8 en rivière, 4 à Tricastin, c'est pas Tricastin, c'est Coulasse, je crois. Non, c'est Tricastin, excusez-moi, c'est Tricastin. Je me suis trompé, c'est pas Coulasse, c'est Tricastin, 2 à Bugey et 2 à Fessenheim, moi j'ai pas Saint-Amand. Et en façade maritime, 20 réacteurs. D'accord ? Alors vous les comptez vous-même et tout, 20 réacteurs en façade maritime. En circuit fermé, il y en a 30. Donc vous voyez, 28, 30, les 58, vous avez votre 30 et tout. Il y en a 30 en circuit ouvert. Alors, en circuit fermé, il y a 16 réacteurs de, vous savez, les réacteurs, c'est des 900, 1300 ou 1450 mégawatts. Donc il y a 16 réacteurs de 900 mégawatts. Ceux-là prélèvent 2 mètres cubes et évaporent seulement 0,67 mètres cubes, un tiers de ce qu'ils ont. Il y a 10 réacteurs de 1300 MW, c'est eux qui sont la norme donnée par EDF, donc c'est 2 mètres cubes prélevés, 0,75 envoyés dans l'atmosphère, et il y en a 4 de 1450 MW, dont les deux de Cibo. Et les deux de Cibo, eux, ils prélèvent 2,6 mètres cubes par seconde, mais il n'évapore que 0,75. Ce document-là figure dans un document d'EDF qui est l'argumentaire qu'ils donnent pour leur cas. Bon, je vous donnerai la référence si vous voulez, c'est un truc très 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 détaillé qui donne tout ça. Pour les 1300, hein? Les 1300, ils font prélèvement 2 et consommation 0,75. Voilà. Pour vous donner une idée sur la Loire, et donc vous comptez, hein, 2 et 4, 6, 2, 8 et 4, 12, plus les deux qui sont là, 14. Si vous prenez seulement les 12 et que vous prenez 0,75 mètres cubes par seconde, vous voyez que la consommation, c'est 9 mètres cubes par seconde. D'accord ? Et on est déjà dans quelque chose qui n'est pas du tout négligeable, 9 mètres cubes par seconde. Et sur la Vienne, et bien on est à 1,5 mètres cubes par seconde. Sauf que, des fois, la Vienne n'a pas 1,5 mètres cubes par seconde, d'où des problèmes d'alimentation. Voilà. Le total, 9 mètres cubes par seconde. 9 pour la Loire. Pour la Vienne, c'est Cibo. Pour la Vienne, c'est Cibo. Cibo. C'est dire qu'ils avaient fait un lac artificiel pour justement pallier au débit de la Vienne et d'avoir une réserve d'eau. C'est dans le Limousin, je crois, le lac de Vassivière. Ils ont construit un certain nombre de barrages, mais je vous propose d'y revenir d'après. D'accord. Pour l'instant, je suis que sur la consommation. Vous imaginez effectivement que dans des conditions d'étiage un peu sévères,
sur, en particulier sur la Vienne, en particulier sur la Vienne, il n'y a pas assez. Sur la Loire, on estime, mais j'anticipe un peu ce que je dirai après, on estime que l'étiage réellement sévère de la Loire, c'est 20 mètres cubes par seconde. À partir de là. Parce que là, il y a deux rivières qui ont à peu près le même débit. Hein. La Loire est alliée, c'est assez comparable. Il se trouve que c'est la Loire qui est considérée comme le fleuve principal, ça pourrait être l'Allier, quand même. Ça s'appelle la Loire, c'est comme ça. Et tout. Et ces deux rivières-là, à partir de là, créent un débit qui est à peu près le même d'ici jusqu'à là, parce que vous voyez qu'il n'y a pas d'affluent principal sur tout ce cours de la Loire. Et donc, grosso modo, tout ça, ces trois centrales-là, elles sont sur le même régime fluvial, toutes les trois. Et sur ces trois-là, on estime que les étiages un peu sévères sont de l'ordre de 20 mètres cubes par seconde. C'est descendu à 10 mètres cubes par seconde en 49. Quand même. Quand ça descend à 10 mètres cubes par seconde là, et que là et là, vous en enlevez 9 mètres cubes, il ne reste plus grand-chose. En gros, ce n'est pas négligeable, ce n'est pas anecdotique le prélèvement, loin de là. La consommation. Le prélèvement vous avez compté, ça fait 12 multiplié par 2, ça fait 24 mètres cubes par seconde qui sont prélevés. Comme ça, la Loire ne déborde jamais. C'est une autre question. Mais c'est une autre question, mais qui pose aussi des problèmes aux centrales nucléaires, bien entendu. Oui. Voilà. J'ai fini sur ces données-là. Oui. Oui. L'eau qui n'est pas envoyée dans la tour aéro réfrigérante, elle est plus chaude quand elle est rejetée ou elle est... Alors, elle est toute envoyée dans les tours aéro réfrigérantes. Qui est repartie. Non, non, qui mais pas dans le fleuve. Non, mais je vais te répondre. Ouais. Elle est toute envoyée dans les tours réfrigérantes, il y en a une partie qui s'évapore, il y en a une partie qui redescend, qui recondense, et c'est celle-là qui est renvoyée. Elle est réchauffée, pas vraiment chauffée. Alors, elle est relativement peu réchauffée. Les autorisations, l'autorisation de rejet pour ces eaux-là, qui sont passées dans des aéro-réfrigérantes, doivent être limitées à 2 degrés de fusion. Non, je pense que c'est à l'endroit où ça sort. À nos gens, plus de degrés dans la Seine. Dans la Seine. Alors ça, c'est très possible. En circuit ouvert, ça monte à 7 degrés. Parce que comme il n'y a pas du tout de l'énergie prise dans l'évaporation, et puis vous prenez... Alors ça doit bien être dans le milieu, puisque en circuit ouvert, vous avez un énorme volume qui lui-même... la flotte a augmenté et ça monte donc à 7 degrés. C'est gigantesque. 7 degrés, mais mesuré au niveau de la rivière. Mesuré au niveau de la rivière. Alors, je ne suis pas sûr, mais je me rallie au point de vue qui a été donné et tout. Et je pense que ce que je dis sur les 7 degrés pour que ça soit au niveau de la rivière. C'est dans les lieux. C'est tous les gens sont c'est publié. Oui, c'est publié. Non, mais c'est dans les lieux. C'est publié. Je les ai lus. Je ne me souviens plus d'avoir regardé précisément. Donc, vous avez tous regardé. Et si vous ne dites pas de conneries, vous ne dites pas que c'est à la sortie que c'est deux, vous dites non, milieu. Parce que ça intéresse les pêcheurs. Il y a plus de poissons quand l'eau est à plus de. Oui, mais pas les mêmes. Et justement, ça change tout. Hein, parce que je vous signale que la truite, si vous faites un réchauffé, la truite se tire. Les écrevisses, mais ça, c'est pas mal. Vous serez bien. La truite dans la Seine, c'est. Ah, oui, mais ils montent des saumons, des alouses et des amproies. C'est quoi la quantité rejetée à partir donc des tours réfrigérantes qui retourne dans le circuit primaire, c'est combien? Alors, je le redis, c'est tu prélèves 2 mètres cubes par seconde, tu en évapores 0,75, donc ce qui retourne, c'est 1,25. D'accord, c'est très clair, il retourne 1,25. Donc, tu as un prélèvement de 2 et tu as un retour de 1,25. Traité et plus concentré. Alors, si tu dis de façon thermique, oui. Sur traité chimiquement. Alors, ouais, et plus concentré en salinité. Oui, mais ça on va y revenir après sur les pollutions. Mais quand même, j'insiste là-dessus, mais on va y revenir tout à l'heure, c'est une pollution chimique, pas radioactive. Oui. Okay. On va faire la distinction entre les deux. Mais pour le réchauffement des eaux, tu as raison, c'est très faible, sauf qu'ils ont droit à des dérogations. Et sauf qu'en temps d'étiage, c'est une catastrophe parce qu'ils sont toujours en dérogation.
C'est-à-dire que c'est au moment le pire, au moment où il n'y a pas d'eau, qu'on va obtenir les dérogations pour la chaleur. Donc là, vous faites des analyses, on est quand même très bien. Bah, on va y revenir sur la question que je vous ai posée, la question piège, si ça baisse et tout, qu'est-ce qui sera là, le premier élément et tout. Donc là, vous êtes en train de vous dire, on a eu raison de se lever, parce que quand on voit les problèmes que pose le refroidissement, c'est colossal, etc. Donc, vous avez eu tort de vous lever, et on va passer à la deuxième partie. La température tolérée, elle dépend aussi de la température des eaux prélevées. Oui, oui, c'est l'écart de température. Non, mais c'est l'écart de température. Et d'où l'importance de ce que dit Dominique, c'est que le delta T, quand il est déjà très chaud et tout, il y a un moment où tout passe au tout au feu. En 2003, il y a eu des dérogations. Pour les circuits ouverts, alors, pour les circuits ouverts, non, ce que je donne comme 7 degrés, ce n'est pas la moyenne de ce qui sort, c'est l'autorisation maximale d'augmentation de température. D'accord ? Faites attention, ce que je dis là, c'est des arrêtés. Parce que ça fait beaucoup. Je ne suis pas d'avis, c'était 10 degrés, mais donc ça a été gravé à 7 degrés. Oui. À ma connaissance, c'est. Il y a des limites de température dans le système survient de. Température d'eau, rejet, donc de 30 degrés ou des choses comme ça. Alors, ça, à mon avis, ça dépend centrale par centrale. Parce que vous allez voir, je vais vous donner des indications tout à l'heure sur les histoires de dilution. La dilution à Civo, ce n'est pas la même qu'à Dampierre. D'accord ? Ça s'explique Dampierre parce que ce n'est pas que Dampierre, il y en a trois. Ok, ça va jusque-là. Juste un mot pour vous redire ce que fait EDF. Alors EDF fait un truc assez étonnant. EDF dit EDF a besoin de minimiser son utilisation de l'eau et il commence par au contraire maximiser. C'est-à-dire EDF affiche que pour refroidir les centrales, il prélève 72 ou 75% de tous les prélèvements d'eau de la France entière. C'est gigantesque. Oh, oui. Ils envoient des millions de mètres cubes, c'est absolument colossal. Et, alors, même pour faire pour monter la sauce, ils mettent toutes les centrales. Alors, des fois, ils mélangent la mer et les rivières. Quand ils prennent que les rivières, ils mettent aussi les centrales thermiques, donc ils mettent la centrale de Cordemais dedans, parce que la centrale de Cordemais a aussi besoin de flotte pour évaporer. Et elle est aussi au fil de l'eau, je crois, en circuit d'hiver aussi. Elle n'a pas tout le tour et tout. Et puis, donc voilà, ils gonflent le prélèvement. Et le but, c'est de dire, oui, mais on en remet 97% dans la nature. D'accord ? Et donc, vous voyez bien, on met une énorme quantité, on n'en consomme que 2,5%, et vous retenez tous, on n'en consomme que 2,5%. Sauf que ce que vous ne retenez pas, c'est que ce 2,5% correspond pour la Loire avec la moitié de son débit d'étiage. D'accord ? Voilà. Et donc, cette espèce de façon d'augmenter le prélèvement, vous regarderez, moi j'ai été très très surpris les premières fois où j'ai cherché ce qu'ils disaient, ils donnent des prélèvements absolument démentiels. En plus, vous imaginez, on vous envoie des milliards de mètres cubes, vous ne voyez rien. Enfin, vraiment, personne n'est capable d'imaginer ce que c'est que des milliards de mètres cubes. Et donc, ils vous envoient des unités colossales, ils gonflent complètement en disant, ah, bon, c'est vrai, le prélèvement, c'est 78, ils prélèvent 77% de l'ensemble de tous les prélèvements utilisés, et tout, en comptant, imaginez qu'en comptant les 50 mètres cubes par seconde dans un réacteur, ça va vite, hein, parce qu'aucun usage ne prélève 50 mètres cubes par seconde, donc ça gonfle les chiffres, et au bout du compte, ça leur permet de minimiser la partie de consommation qu'ils récupèrent dans les zones, puisqu'ils ne donnent plus un pourcentage. Ils ne donnent jamais d'éléments de comparaison clairs de ce qu'ils ont prélevé réellement. Voilà. Donc, j'insiste là-dessus, ils savent jouer sur ces deux éléments-là. Alors après, sur la Loire, si on prend les consommations, sur le bassin de la Loire, on a des statistiques très très précises. Un, l'agriculture, en tête, la politique. Tout, mais deux, tout de suite après, à plus de 1%, les centrales nucléaires. Donc c'est extrêmement important de le savoir. On a consommé sur la Loire, les usages industriels, c'est très très peu. Ce qui compte, c'est les centrales nucléaires. Le prélèvement, la consommation sur le bassin, elle est en deux sur l'heure. Et bien devant la question des eaux pour l'eau potable,
l'eau potable, quand vous faites cuire les nouilles, vous évaporez un peu des trucs, mais quand vous faites la chasse d'eau, il n'y a pas beaucoup d'apport d'eau. Et quand vous prenez un bain, des fois, ça dépend de la chaleur, on évapore un peu, mais on n'est jamais dans les quantités qu'on va nous donner ici, et donc la plupart se retrouvent dans le milieu. Il y a parfois des éléments sur des statistiques qui sont un peu bizarres, c'est-à-dire que dans consommer, il y a un certain nombre d'auteurs qui considèrent que consommer, c'est rendu au milieu, mais rendu au milieu utilisable. Et dans ce cas-là, si votre flotte est polluée, elle est considérée comme consommée, et donc ça change les éléments, sauf que vous voyez bien qu'en augmentant l'épuration, et en fait, en gros, les techniques existent, vous pouvez regagner la partie sur la partie consommée. Voilà. J'ai à peu près fini là-dessus. Juste, je rajoute une dernière chose. Je vous ai parlé de l'eau consommée dans le circuit tertiaire. Alors, je vous rappelle, il y a un circuit primaire qui, dans toutes les centrales en France, qui sont des centrales à eau pressurisée, consomment de l'eau. Donc, on compte de l'eau dans le circuit primaire. Ce circuit primaire est en contact, enfin, chauffe par un générateur de vapeur, un circuit secondaire. Qui lui-même est celui qui va avoir une énergie qui va faire tourner la machine à vapeur, l'alternateur, et qui donc va produire l'électricité. Et c'est ce circuit secondaire qui est lui-même refroidi par un circuit tertiaire. Et ce dont nous venons de parler, c'est le circuit tertiaire. C'est-à-dire qui refroidit le circuit secondaire. En gros, le primaire et le secondaire prélèvent pour toutes les centrales en France 100 000 m3 d'eau par an, ce qui n'est pas du tout énorme. Mais c'est primaire et secondaire. On regardera ce que ça vient. 100 000 hein, par an. 100 000 m3 par an. Chiffre EDF. Sur le tertiaire en refroidissement, si vous êtes en circuit fermé, il vous en faut 500 fois plus, c'est-à-dire 50 millions de m3. D'accord ? Qui sont consommés. Hein. Qui sont, oui, consommés. Si vous prenez en prélèvement simplement pour les circuits ouverts, eh bien, il faut 10 000 fois ces 100 000 m3. Donc, vous voyez le rapport entre les circuits primaires et secondaires et le circuit tertiaire. J'ai à peu près fini cette première partie. Juste pour que vous réalisiez, on va maintenant s'occuper du circuit primaire. Un peu aussi du circuit tertiaire. Vous arrêtez sur le circuit tertiaire. Le circuit secondaire et tertiaire, vous arrêtez. Vous en parlez plus. Non, c'est pas ça, c'est que je vais parler. Vous avez une question à ce moment-là sur. Attends, juste, je vais lire, puis on s'interrompt pareil. Après, je veux parler de la pollution. Parce que vous savez tous qu'en temps normal, parce que vous êtes tous des militants anti-nucléaires, mais je vous promets qu'il y a plein de gens qui pensent qu'en temps normal, une centrale nucléaire n'envoie rien du tout, hein, ni dans l'atmosphère, ni dans la flotte, ni nulle part. Et donc c'est de ça qu'on va parler après. Et là, le circuit primaire redevient très important, c'est juste ça que je disais. Mais vas-y. Non, moi ce que je voulais parler, c'est plutôt l'aspect sécurité. Parce qu'il y a un fantasme qui consiste à dire que c'est le cuir nucléaire qui est le problème. Et je trouve que dans les centrales, à l'heure actuelle, les accidents qui ont eu lieu sont tous relatifs aux accessoires, aux auxiliaires, dont en particulier la réfrigération, qui est extrêmement critique, puisque si Fukushima, ils avaient eu, à mon avis, peu de choses techniques pour résoudre le problème, ils n'auraient pas eu l'accident. Ben, ils auraient pu ne pas l'avoir. Par exemple, par rapport aux problèmes de sécurité, quel qu'il soit, peu importe, ça n'a pas d'importance. Je voulais savoir si votre avis sur la gestion actuelle des centrales nucléaires françaises, puisque si vous voulez, le Fessenheim, logiquement, est inondable, s'il y a un mois comme l'a dit. Le Blayais, ça a été une histoire de données de base de construction, donc où l'institution météorologique, où le niveau de la mer a augmenté. Et il y en a beaucoup comme ça. Bon, après, il y a des aspects, disons, accidentels d'autre nature, c'est-à-dire qu'une tour de réfrigération, c'est fragile, très fragile, et une pomperie, que ce soit d'eau de mer ou d'eau de rivière, est aussi relativement, je pense, critique. Donc, est-ce qu'à l'heure actuelle, la gestion des centrales françaises, d'après ce que vous savez, est correct sur ce plan-là, c'est-à-dire si on, je sais pas, le tricastin, si les tours tombent en panne, comment font-ils pour faire face au refroidissement et de quelle manière? Hein? Pour qu'ils arrêtent. Oui, mais arrêter nécessite, le problème, c'est qu'arrêter nécessite toujours d'avoir d'évacuer 10 mégawatts
d'énergie, ce qui n'est quand même pas négligeable en soi. Donc il faut déjà avoir les moyens prévus pour qu'effectivement le refroidissement se mette en route. Donc est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Non, je vais être honnête, j'ai dit. Non, j'ai pas. J'en ai visité une et j'ai l'impression que vraiment l'endroit le plus compliqué et le plus fragile des centrales nucléaires, c'est vraiment la piscine et le lien entre le circuit primaire et la piscine, c'est-à-dire toutes les opérations d'arrêt de tranche dans lesquelles tu manies des matières radionucléaires qui sortent du circuit primaire. Et ça, c'est ce que j'ai découvert, moi. C'est que les circuits primaires, vous savez, on dit c'est vachement le temps, c'est tout. Sauf quand on les change. Et on les change souvent. C'est juste ça. Et donc, les circuits primaires qui sont censés ne rien envoyer dans le milieu, ils envoient du milieu. Et le tritium que vous récupérez, et qui est l'essentiel de la pollution, en tout cas celle qui donne qui a le plus grand besoin de pollution, et bien, le tritium, c'est du fonctionnement normal et c'est de l'opération du circuit primaire. C'est ça que j'ai un peu envie de dire. Si on aborde le sujet des risques, c'est pas le sujet, c'est pour ça que je parle du risque. Dans une centrale nucléaire, il a toujours été évalué, soit venant de l'intérieur, c'est ce que vous voulez parler un peu, les problèmes techniques à terme, c'est ce que les pompes qui tombent en panne, machin, etc. Soit il vient de du personnel, c'est Tchernobyl, qui fait des conneries, soit c'est le type Fukushima, c'est une agression externe, avec perte de sources froides, perte de sources électriques, etc. Et évidemment, au départ, normalement, on avait tout imaginé ça. Quand on regarde les dossiers de sûreté de toutes les installations nucléaires, on avait imaginé ça. On n'avait pas imaginé le pire. On avait imaginé un petit séisme, une petite inondation, une petite crue, etc. On n'avait pas imaginé le pire. Avec Fukushima, on est obligé de remonter d'un cran tous ces facteurs-là pour dire si, il faut imaginer l'inimaginable, c'est-à-dire un peu plus. Et du coup, on a fait monter d'un cran tous les curseurs d'aléas, comme on dit. Et là, on s'aperçoit que nos centrales, elles ne passent pas là-bas. Sur beaucoup de problèmes, et c'est là aujourd'hui on est dans la discussion, c'est pour ça qu'à Tricastin, l'histoire de la digue. Alors les tours qui sont à Tricastin ne servent pas du tout à la centrale, elles servaient à Rodif. Centrale de directement sur le canal, comme fait Sennheim. Et là, la question que nous avons posée, certainement vous comme moi, c'est et si la digue du canal rompt, à Fessenheim comme à Tricastin, on est dans le même scénario exactement. La centrale est inondée et on n'a plus d'eau pour refroidir. En plus, on avait mis les groupes électrogènes au ras du sol, pour ne pas dire dans des fosses. On n'a même plus d'électricité, puisque la centrale est arrêtée, et qu'on risque d'être coupé du réseau. Ce n'est pas une certitude, mais c'est un risque. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On s'aperçoit que la digue... Alors, professionnellement, j'aimerais bien savoir quel est l'état de la digue. À Tricastin, il s'aperçoit EDF savait depuis très longtemps que la digue n'était pas conforme. Par rapport à un petit séisme de la région, il y a une des berges de la digue, justement en face de la centrale, qui a été faite avec des matériaux complètement mous, qui fait que vous secouez un peu ça, et la centrale est inondée, et vous n'avez plus d'eau pour refroidir la centrale, même si vous avez l'électricité. Parce que maintenant, les groupes électrogènes, on a trouvé l'astuce, on les met en hauteur. Bon. En supposant que le séisme ne va pas tout balancer par terre. Ça demande une révision assez fondamentale de tous les fondamentaux de sûreté qu'on avait chacun. On présentait comme des certitudes, et je crois que là on a un angle d'attaque, nous, sur ces risques, c'est de dire, mais attendez là, vous étiez les meilleurs, on était les meilleurs au monde, c'est ce cas. Moi je pense que vraiment on a eu beaucoup de chance. Mais si on parle de l'eau et du nucléaire, je pense que tu as raison, il faut. Vous savez, le risque, c'est une chose. Par contre, la consommation, la pollution,
de l'eau. Et là, tu as bien abordé le problème. Consommation, combien on a besoin. Après, on va voir comment cette eau, on la restitue, comment on la pollue, comment et pourquoi. On sait bien que sur le nucléaire, il y a toute une série de problèmes. Ce qui nous intéressait, nous, là, maintenant, c'était de dire, sur du fonctionnement normal, non accidentel, sans fuite, sans rien du tout, il y a déjà un impact extrêmement important sur le milieu. D'accord ? Et non seulement il y a un impact sur le milieu, mais je vais terminer, il y a un impact sur l'aménagement. Parce que, je vais revenir tout à l'heure, il y a deux barrages qui ont été construits sur la Loire, avant que Bordivante arrive et empêche les trois suivants. Et les deux barrages qui ont été construits, ils avaient tous les deux comme fonction, ils ont tous les deux comme nécessité les centrales nucléaires. On ne le sait pas suffisamment. C'était Loire-Vivante, je me rappelle, on appelait ça des barrages hydronucléaires. Mais il y en a deux, qui ont été effectivement construits pour ça. J'y reviendrai tout à l'heure. Leur but était clairement celui-là. Et bizarrement, ça n'était pas pour obtenir un niveau suffisant pour pouvoir refroidir, c'était pour obtenir un niveau suffisant pour pouvoir diluer les effluents. Et donc, la question que je vous ai posée tout à l'heure, vous avez tous levé, vous avez eu tort. Le premier problème qui se pose, c'est le problème de la dilution des effluents avant le problème de réchauffement, aussi grave que soit le problème le problème de refroidissement, aussi grave que soit le problème de refroidissement. D'accord. On peut nuancer, mais si on reste. Non, mais c'est tout à fait volontaire, mais bon, d'un strict point de vue réglementaire, et j'ai eu un dialogue il y a 10 jours avec le directeur régional d'EDF pour cette région-là, donc il est bien pressé, sur la question de l'adaptation au changement climatique, et il reconnaît que les premières modifications qu'il doit faire à ces centrales pour l'adaptation au changement climatique, c'est pour régler le problème de la diminution. D'accord ? Et je vous dirai ce qu'il fait. Le problème ici, de... il fait des réservoirs. Dilution. De la dilution des effluents radioactifs. C'était concernant la dilution, c'est pour la pour rejeter ensuite la C'est effluent. Tu comprends something you give to the river. Une centrale nucléaire en temps normal rejette beaucoup de choses dans une rivière. Des effluents radioactifs et des effluents chimiques, les deux. Et donc, pour que le milieu accepte ces effluents, il faut un débit suffisant. You must have a flow, un important flow. C'est pas pour que le milieu accepte, c'est pour être aux normes. C'est alors, je m'excuse sur le raccourci. Je ne t'excuse pas. Je m'excuse sur le raccourci. De même que quand tu as dit que les gens aujourd'hui, ils ne craignaient que l'accident nucléaire et ils considéraient qu'une centrale en temps normal, c'était pas dangereux et que ça rejetait rien, c'est pas vrai. Ils le savent maintenant, aussi grâce à nous, mais ils savent que c'est légal, normal, autorisé, aux normes. C'est ça le problème. C'est vrai qu'il y a des normes, mais je te promets d'avoir discuté, y compris avec des militants plutôt environnementalistes, il n'y a pas très longtemps, et qui me disaient que si on enlevait les fuites, si on enlevait tout ça, c'est l'idée qu'un fonctionnement totalement normal, totalement contrôlé, une centrale nucléaire rejette, il y a plein de gens qui ne le croient pas. Ils pensent qu'il y a des tolérances à envoyer et tout, mais j'insiste sur le fait que ça fait partie du process industriel. Et c'est important de dire que dans le process industriel, une centrale nucléaire rejette des quantités extrêmement importantes de tritium, et que même EDF se pose la question, est-ce qu'on pourrait en rejeter moins? Et finalement, c'est pas possible. Il y a des documents très précis qui expliquent que tant pis, il faut envoyer le tritium parce que on ne sait pas comment faire autrement. C'est peut-être parce que les champenois sont moins bêtes que les habitants de la Loire. C'est sûrement ça. Mais oui,
c'est toujours une facilité de langage d'identifier la norme avec ce pourquoi la norme a été mise en place. Parce que la norme qui dit que c'est 50 mètres cubes de tritium, c'est une norme qui a été mise en place sur l'idée qu'il y avait des concentrations qu'on pouvait atteindre. Il n'y a rien qui dit que c'est effectivement complètement anodin pour les milieux. Ça complètement déjà. La norme, elle a été mise pour empêcher que ça dépasse. Quant à savoir à quel niveau a été mise la norme, c'est la question de toutes les normes, et maintenant, de toutes les normes qui peuvent être déplacées et qui ont une rationalité qui est la rationalité du législateur, mais qui n'est pas forcément la rationalité du milieu. Est-ce que tu penses savoir si on pourrait avoir, d'avoir plus de renseignements concernant la nature et la provenance des rejets. Des rejets. Oui, mais ça c'est ma deuxième partie, c'est ce que je suis en train d'introduire. Ça vient. Vas-y, on prend oui, 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 c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, sur les rejets, EDF les classe, puis nous on les classe aussi pareil, dans des rejets radioactifs et des rejets chimiques. On a tout à fait raison d'insister sur le fait que si on se cristallise trop sur les rejets radioactifs, on risque de rater les très nombreux rejets chimiques qui ne sont pas rien du tout. Moi, il se trouve que je suis en train de parler de la norme des 50 mètres cubes par seconde qui sont nécessaires pour rejeter les effluents, et que cette norme, elle est calée sur les déchets radioactifs. Et elle est même calée, pour être plus précis, sur le tritium, et strictement sur le tritium. Il y a trois rejets radioactifs considérés comme sortant des centrales en temps normal. Il y a du carbone 14, il y a de l'iode, et il y a du tritium. Du radar radioactif. Oui. À titre de trace, il doit y avoir un certain nombre de choses qui se décrochent des combustibles, mais probablement à titre de trace, et puis c'est un peu suffisant. Alors, maintenant, d'où vient le tritium, hein? C'est pas parce que le tritium, vous savez, c'est un atome d'hydrogène, donc c'est un tout petit atome, qui a récupéré deux protons supplémentaires, et donc ça fait il a un noyau qui est constitué d'un proton et deux neutrons. C'est tous des antinucléaires rodés à ça, et tout. Donc, bien sûr. Il y en a dans la nature du tritium, il y en a même qui est composé avec des atomes d'oxygène qui fait ce qu'on appelle l'eau lourde. Alors des fois l'eau elle est complètement lourde parce qu'elle a de l'eau tritium, des fois elle en a qu'un, donc on appelle de l'eau tritée parce qu'il y a un hydrogène, un tritium après. Voilà, bon. Mais ça existe dans la nature. Par contre, En tout cas, une centrale nucléaire produit une assez grande quantité de tritium en fonctionnement normal. Pourquoi elle produit une grande quantité de tritium? Parce que ce circuit primaire, dont tout le monde pense qu'il est vachement étanche et tout, il y a un moment où on l'ouvre. Alors, il y a un moment où on l'ouvre, simplement parce qu'il faut changer le combustible, et que le combustible il baigne dans le circuit primaire. Donc, si vous voulez changer le combustible, il faut bien ouvrir pour le sortir. Et en même temps, alors c'est ça que j'ai découvert en visitant le centre nucléaire de Chimie, on change aussi la flotte du circuit primaire. Et quand on change cette flotte du circuit primaire, alors il faut d'abord que je vous explique que la flotte, c'est dans une centrale nucléaire, on considère qu'il y a toujours un combustible qui produit l'énergie, il y a un régulateur, un modérateur, donc on appelle, il y a un corps qui est mis dedans, qui permet de contrôler la réaction, et puis il y a un fluide caloporteur, c'est celui qui va permettre de transformer, d'emmener la chaleur sur le circuit secondaire, donc il faut qu'il se réchauffe, et puis il sert. Je ne vous fais pas les graphiques de gaz, parce que ça c'est fini, et tout, celles qu'on a en ce moment, elles sont toutes à eau pressurisée, et donc c'est de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau sans rien, c'est de l'eau dans laquelle, en général, on met des atomes de bore sous forme d'acide borique dessus. D'accord. Il y a un circuit primaire, d'accord. Dans le circuit primaire, il y a de l'eau, et il y a, en plus, de l'acide borique ayant le rôle de modérateur.
plus précisément les atomes de bore ont un rôle dans le régulateur parce qu'ils ont une capacité à capter les neutrons qui se baladent et donc qu'ils les ralentissent. Non, j'ai plus besoin de boire que de manger des neutrons. Et donc, ces atomes de bore, il se trouve que dans une de leurs réactions, le neutron qui se balade et qui vient les heurter casse l'atome de bore et produit des atomes d'hélium, si je ne me trompe, et du tritium. Et donc, naturellement, du fait de la fonction de modération, il y a plein de tritium dans l'eau pressurisée du circuit primaire. Ça donne le barium devient du tritium ? Non. Alors, le bore, il est percuté par un neutron, ça le casse en deux atomes de d'hélium plus un atome de tritium. Ouais. En fait, souvent on dit comment on pilote avec quoi se mettre de l'acide borique là-dedans qui va nous produire du tritium. Bon, c'est une connerie, par contre. Oui, le tritium, donc on sait que faire. Et qu'il faut de temps en temps changer l'eau du circuit parce qu'il y en a tellement que ça perturbe tout. Donc on va changer l'eau et effectivement, du coup, cette eau qu'on a sortie, on ne va pas pouvoir la remettre dedans. On la met dans une grande cuve qu'on appelle la station de traitement des effluents liquides. Vous voyez, le terme est très pudique, on parle d'effluents liquides. Et en fait, comment on pilote un réacteur ? Souvent, et ce qu'on vous dit en général, on dit ah, ça c'est des barres. Oui. Les barres, ça s'appelle les barres d'arrêt d'urgence, les BAU, barres d'arrêt d'urgence. C'est là où on fait tomber les barres, on les fait monter suivant le type de réacteur, et là c'est souvent du graphite, c'est aussi des éléments à base de bore, et ça c'est pour arrêter la réaction. Mais arrêter une centrale nucléaire, on a besoin de piloter le réacteur pour moduler la puissance. La puissance maximum, il y a l'arrêt. Et entre les deux, on pourrait dire que comme dans un moteur de voiture, on a un accélérateur, on connaît la caprice. En réalité, pour une centrale nucléaire, ce n'est pas du tout ça. On n'a pas d'accélérateur, on n'a qu'un frein. Si vous relâchez le frein, la réaction s'emballe. Elle monte en puissance et il faut s'arrêter évidemment à la puissance nominale, c'est-à-dire ce qu'on est capable de refroidir. Ça va bien expliquer. Ce qu'on est capable d'évacuer comme chaleur. Et ça donnera donc la puissance électrique qu'on dit dans la sinon, c'est presque. Et pour moduler cette réaction, on est entre ce qu'on estime qu'on est capable de faire tourner un réacteur entre 60, 70% de sa puissance et 100%. Et on module ça. Si vous descendez la puissance à 30%, comme on peut le faire sur un moteur de voiture, vous allez vers le ralenti, votre réacteur fonctionne très mal, il s'empoisonne. Comme on dit, et ça, c'est ce qui s'est passé à Tchernobyl. La connerie qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait tourner un réacteur, ce n'est pas tout à fait le même modèle, mais on est dans la même logique, la même neutronique, à basse puissance pendant plusieurs heures. Là, le réacteur s'est empoisonné et ils ont appuyé sur l'accélérateur un peu vite, en fait, l'accélérateur, ils ont remonté la réaction en puissance, un peu trop vite, et du coup, vous avez dépassé le point de contrôle. Donc, en réalité, pour piloter un réacteur, on utilise le pilotage chimique. On met du bore, ça absorbe les neutrons, ça ralentit la réaction nucléaire, donc la puissance. Vous enlevez du bore, vous augmentez donc la réaction, et du coup, vous augmentez la puissance. C'est comme ça. Sauf que, rajouter du bore, vous avez un circuit fermé, c'est comme un circuit chauffage central. Il n'est pas expansible. Vous avez, évidemment, donc, si vous rajoutez quelque chose, vous devez prélever, soutirer dans le circuit une partie de l'eau qui est dedans, rajouter de l'acide borique, vous ralentissez la réaction. Vous voulez augmenter la puissance, vous enlevez de l'eau borée qui est dedans, vous mettez de l'eau plate, non borée, sauf que l'eau que vous avez enlevée, vous n'allez pas la remettre dedans. Donc, voilà, pourquoi vous avez des liquides radioactifs prélevés, et tu as raison de parler du circuit primaire, c'est de là que va venir l'essentiel des effluents radioactifs liquides. Parmi les produits de fission, vous avez aussi des éléments gazeux.
qui fait que ce circuit primaire va aussi se charger du gaz. Comme dans un chauffage central, il faut dégazer. Si vous avez des bulles de gaz dans un circuit chauffage central, ça ne circule plus. Donc, il faut aussi dégazer. Et là, ça va donner des effluents gazeux. Donc, régulièrement, ce circuit est dégazé aussi, et ça veut donner des effluents gazeux. Voilà les... En proportion, c'est quand même vraiment les liquides qui sont les plus importants. Ah oui, très traditionnel. Mais il y en a. Il y a du lithium radioactif qui est projeté par l'atmosphère. Pourquoi il ne faut pas... Alors, on traite... Discours de l'exploitant, hein, je casquette EDF. Nous, moi aussi, hein, je ne que des documents EDF. D'abord, tout est légal, tu as raison, tout est légal. Moi, j'estime que ce n'est pas légitime. Là, la nuance, déjà, elle commence à la vie. Légitime, légal, pardon, c'est pas la même chose. Donc, c'est légal. Oui, il y a des autorisations, vous pouvez les trouver sur Internet, sur le site du ministère de l'industrie, de l'environnement, vous cherchez autorisation de rejet, CIVO, machin, etc. Vous allez trouver les chiffres. Ils sont autorisés. Et l'ASN aussi. C'est l'ASN qui pilote, sur en fait, site. Un petit peu tout ça. Et qui délivre des autorisations qui sont données annuelles. C'est-à-dire, chaque année, au 1er janvier, on met le compteur à zéro. C'est l'exploitant qui contrôle. C'est de l'auto-contrôle à 100%. L'exploitant remplit des cases dans un registre qui est transmis à l'autorité de sûreté nucléaire. L'autorité de sûreté nucléaire vérifie que l'addition à la fin de l'année n'a pas dépassé la limite annuelle, etc. Voilà comment ça se passe. Alors, l'exploitant dit « Ah mais nous, on a une autorisation qui est de temps, et en réalité, on ne rejette que temps. » ça, c'est pour son discours de communication, vous avez compris. Moi, la question qui se pose, c'est pourquoi il a une autorisation de ça pour ne rejeter que ça. Le problème, c'est justement, moi, c'est là que je critique l'ASN, c'est que l'exploitant a demandé, c'est l'exploitant qui l'a demandé, il dit, moi, je veux des marges de sécurité comme on dit, dans l'industrie, énorme. Donc, je demande tant, en disant comme ça, je suis tranquille, je ne dépasserai pas la limite. Ça sert à sa communication, évidemment. Et moi, j'en veux à l'ASN qui ne regarde pas de plus près le dossier, parce que, logiquement, l'autorité de sûreté nucléaire dit, bon, je regarde le dossier dans l'exploitant, dit, moi, j'ai besoin de rejeter. Ah oui, pourquoi? Pourquoi j'ai besoin de rejeter? Parce que, techniquement, je vois bien comment faire autrement. Mais on ne demande pas des comptes à l'exploitant pour dire, mais est-ce que vous êtes sûr d'avoir pas trouvé une autre technique? Comment piloter un réacteur? Vous voyez, l'explication, ah, mais c'est le bord. Mais il n'y a pas un autre moyen pour faire ça. Est-ce que, etc., pour avoir la meilleure technique, pour rejeter le moins? En gros, c'est ça. Eh bien, l'autorité de sûreté nucléaire est très, très cool, moi, je dirais, avec les exploitants. Et je peux attendre de mon temps, il dit, ah ben oui, son dossier, il demande ça, ben oui, ça me paraît justifié. Mais il ne cherche pas, l'autorité ne cherche pas à gratter, à pousser l'exploitant, à dire, non, il faut trouver autre chose là. Donc, il y a, pour son discours, j'ai une autorisation de temps et je ne rejette que ça, vous voyez, je suis super bon. Et vous, vous dites, ah ben oui, effectivement, il ne rejette que 2% de l'autorisation. Ah, qu'est-ce qu'il est super, cette voix-là. C'est ça le discours. Alors, en plus, il dit, le seul moyen qu'il dit pour réduire ses rejets, on dit, oui, mais c'est quand même pas bien ce que vous faites là, de rejeter dans l'eau, de l'environnement, dans l'air, des éléments que l'on sait être des éléments toxiques, chimiques et radioactifs, donc mutagènes, cancérigènes, etc. Bon. Alors là, il dit, ah non, non, mais moi, je fais tout pour réduire ça au maximum. C'est-à-dire, je les traite, ces effluents. Alors effectivement, la question qui était posée, ils sont stockés pour les effluents liquides. Hein. Pour les effluents gazeux, ça sort en continu, à la petite cheminée à côté du bâtiment réacteur, pas à la grande tour d'évaporation. Hein. Vous avez vu, sur toutes les centrales nucléaires, vous avez une coupole en béton. Et à côté, vous avez une petite cheminée, c'est là que sortent les effluents gazeux en continu. Parce que les stocks
Les gaz, c'est plus difficile à stocker. Les liquides, on les stocke dans des grosses cuves. Et là, EDF, on les traite. Ah, c'est quoi le traite? Le premier truc, c'est décanter. Les éléments les plus lourds, effectivement, le premier traitement quand vous voulez traiter de l'eau, c'est la décantation. Les éléments solides vont se déposer au fond. Ils font une décantation. Les éléments qui sont solubles, c'est-à-dire comme du sucre, vous avez dissous du sucre dans de l'eau, du sel, vous avez bon à attendre, il ne va jamais décanter. Les éléments qui sont passés en solution, eux, ne décantent pas. Alors, c'est le cas du tritium. C'est le cas des éléments solubles comme l'iode, comme etc. Ne vont pouvoir décanter que les particules les plus solides, les éléments solides, qu'on appelle, les éléments solides. Et donc, on utilise pour certains radioéléments un traitement à base de résine échangeuse d'ions. Vous savez, c'est des plaques qu'on met dedans. Et il y a, comme pour traiter l'eau, qu'on utilise aussi dans le traitement de l'eau, on arrive à fixer quelques ions radioactifs, des éléments qui sont passés en solution. On arrive à fixer quelques ions et à en retirer un petit peu. Mais c'est ridicule par rapport à ce qui reste. Pour moi, qui est scandaleux, en tout cas nous, etc., nous on bagarre évidemment contre, sur le principe même de ces rejets. Nous pensons que c'est anormal, complètement, qu'un industriel, qui s'appelle EDF ou Areva, c'est pareil, ait une autorisation, un principe, sur le principe, de rejeter dans notre environnement, le nôtre, pas le leur, des éléments que l'on sait être des toxiques chimiques et radiologiques. Sur ce principe-là, je pense qu'il faut vraiment se bagarrer. Pour dire, c'est pas normal. Alors, j'ai eu l'occasion d'en parler hier, nous ne sommes pas les premiers à dire ça, etc. Comme vous. Quand on explique ça aux gens, ils sont choqués. Ils disent, comment? C'est pas possible. C'est pas normal. Et du coup, beaucoup d'associations environnementales, depuis les années 80, depuis le début du nucléaire, c'est pas d'aujourd'hui, s'étaient mobilisées pour protéger un bien commun, parce qu'on ne peut pas tout protéger dans l'environnement, hélas, mais protéger un bien commun de manière concertée, qui est la mer et les océans. En gros, ça c'est un bien commun, il faut donc le protéger, c'est normal, quoi. Voilà. Et donc, dès les années 80 et 90, il y a eu une demande, parce qu'on mettait tout à la mer. La mer était la poubelle de tout le monde. Donc, il y a eu une prise de conscience de dire, il faut arrêter ça. Et comme la mer, tout le monde est concerné, il faut qu'on fasse une convention internationale, et pas française ou belge, mais internationale, pour arrêter ces rejets. Alors, c'était en 1995 qu'elle a été signée, cette convention. Elle s'appelle OSPA, Oslo-Paris, parce que c'était des réunions qui ont eu lieu entre Oslo et Paris. Elle a été signée d'abord pour tous les pays de l'Atlantique Nord, puis elle a été étendue à la Méditerranée, un peu plus tard. Et elle disait quoi? Eh bien, il va falloir aller vers le rejet zéro. Alors, non seulement dans la mer directement, mais dans les fleuves qui vont à la mer, parce que là, on est sur la... quand on rejette là, ça se termine là. Bah oui. Donc, il faut aller vers le rejet zéro. Ce qui a été décidé en 1995, aller vers le rejet zéro, on aurait pu être un peu contraignant en disant, il faut y aller vite, quoi, merde, ça commence à suffire, quoi, la poubelle est pleine, là... Et là, on a été un peu réaliste, on a dit, il faut donner 25 ans à tous ces pollueurs pour aller au rejet zéro. Malade. Or, 2020. Mais 2020, c'est après-demain. Et qu'est-ce que vous croyez qu'il s'est passé depuis? Rien. Rien du tout. C'est intéressant de savoir... Est-ce qu'on va vers le rejet zéro? Pas vraiment. Vous avez compris que non.
Et ça, je dirais même pire que pour certains radioéléments, on a augmenté les rejets. Pour certains éléments chimiques, on a augmenté la quantité de rejets. Et ça, c'est lié à tout ce que tu as expliqué très bien. Les conditions climatiques ne favorisent pas, je dirais, ce genre de choses. La dilution, la dispersion, etc. etc. Du coup, on est à la veille de la limite qui a été fixée, hein, et on n'a pas évolué dans le bon sens. Ça va. C'est ça qui m'énerve, et je pense que là, on a un moyen de titiller les gens du nucléaire dans le cadre des commissions, etc. On a l'occasion de les interpeller pour leur dire, mais moi, quand je parle de convention OSPAR, et après qui a été conclu à Sintra au Portugal, dans des réunions comme ça, je vous assure que tout le monde regarde d'ailleurs. Hein. Et vous, j'aimerais. Un fichier pour connaître. On est complètement dans l'illégalité par rapport à une convention qu'on a signée. Pour une fois qu'on signe une convention qui va dans le bon sens, eh bien vous constatez que tout le monde s'assoit dessus. Et l'autorité de sûreté nucléaire, moi je trouve qu'elle est la première responsable. Parce qu'elle ne pousse, c'est elle qui doit pousser l'exploitant. Nous, on n'a pas les moyens légaux d'aller vers le rejet zéro. Nous, on est là, le poil à gratter. Mais l'autorité de sûreté nucléaire devrait l'appliquer, ça. Pardon ? Alors, elle ne dépend pas d'un ministère. Elle se dit, avant, elle était rattachée au ministère de l'Industrie. C'était pas bon. Elle a été sortie du ministère de l'Industrie par la loi sur la transparence de 2006. Donc depuis 2006, c'est une autorité indépendante, mais financée par l'État, qui lui est nucléarisé. Donc il est évident, il y a un grand débat à l'intérieur de l'ASN. L'ASN dit, nous, on a besoin de plus de moyens pour travailler, ça je reconnais que le manque de moyens, et l'État qui dit, non, moi je vous ai donné assez d'argent, ça suffit. Et le grand débat aujourd'hui entre l'ASN, c'est une marchande tapis, hein, l'ASN actuellement fait chier les exploitants comme elle peut. Elle fait chier l'État comme elle peut. C'est-à-dire, elle prend les dossiers pas dans l'ordre du politique ou pas dans l'ordre de l'exploitant. L'ASN a une montagne de dossiers à traiter. Et qu'est-ce qu'elle fait pour emmerder? Elle joue la montre. Elle dit, écoutez, votre dossier, il est là, mais je n'ai pas le temps de le regarder. Alors, ça emmerde tout le monde. Ça emmerde les exploitants. Mais c'est son seul moyen de pression aujourd'hui, la SN. C'est de jouer la montre sur les dossiers. Ça ne va pas. Alors, je voudrais savoir si l'exploitant a les moyens technologiques du zéro rejet. Alors, je dirais que quand on cherche ce genre de truc, si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Alors, quel est le point de vue naturel? Moi, c'est pas moi qui vais leur donner la solution. Fixer du tritium, donc c'est le plus gros en contribution, c'est du tritium. Le tritium, on ne sait pas. À grande échelle, on sait, mais ça coûte une fortune. Pardon, on sait, mais ça coûte une fortune. Les pièges à tritium, ça existe. Évidemment. Mais ça coûte une fortune. D'accord. Vous voyez bien, les Japonais avaient demandé aux Français d'aller traiter les eaux de Fukushima. Ils ont vite ramballé leur matériel en disant, non, écoutez, désolé, là, il y en a trop, on ne sait pas faire. Quand on sait enlever un petit peu, oui. Alors, moi, je dirais, je ne suis pas technicien, je ne suis pas spécialiste, je dis simplement, ce n'est pas moi qui ai la solution miracle. Moi je dis, et je pense qu'on peut s'appuyer là-dessus, ce que vous rejetez dans notre environnement, c'est quoi? C'est des déchets. C'est des déchets radioactifs. Alors là, si vous arrivez à faire rentrer ça dans la tête d'un producteur de déchets, c'est un déchet radioactif. Donc je dois les traiter comme un déchet. Traiter comme un déchet, ce n'est pas le disperser dans l'environnement. Il n'y a aucune loi qui vous dit, vous voulez vous débarrasser d'un déchet, allez, on disperse. Vous avez un bidon d'arsenic chez vous, vous dites, moi j'aimerais bien m'en débarrasser. Oh, allez, on va le balancer dans la Seine. Ça va se diluer, ça va disperser, ça va disparaître. C'est la règle des 3D, comme je dis moi.
dilution, dispersion, disparition. Évidemment, on sait que c'est pour nous qui connaissons l'environnement, ça ne disparaît pas. Hein. Donc, faire reconnaître que ce sont des déchets, interpeller, moi plusieurs fois j'ai eu l'occasion d'interpeller l'ASN, je dis, mais pour vous, le gendarme, c'est quoi ce qui est dans la cuve là? C'est des liquides radioactifs. Ah, oui, d'accord, non mais ça a une utilisation? Bah non. Donc c'est un déchet. Donc c'est un déchet radioactif. Bah oui. Et vous revenez le lendemain, la cuve elle est vide. Ah oui, tout est parti dans un fleuve. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dispersé les déchets radioactifs. Et vous, le gendarme, vous dites pas de problème. Moi, je trouve qu'on a des moyens là pour les interpeller qui sont. Ça ne change pas la face du monde. Moi, je dis, on n'a pas gagné. Moi, j'ai dit ça plusieurs fois. Je n'ai pas gagné. Mais c'est remuer le couteau dans la plaie parce qu'ils sont un peu morveux, je dirais. Par rapport. Ils n'aiment pas en parler. Ah, ils ne sont pas très bavards là-dessus. Hein. Donc voilà. Roland, il faut quand même préciser une chose importante aussi, c'est que le tritium est non confinable. Sinon, on ne sait pas faire des barrières de tritium. C'est pas. On ne sait pas faire. Vous avez raison, Michel. On ne sait pas faire une enveloppe étanche au tritium. Vous savez que les Suisses, ils mettent du tritium dans les montres pour les rendre lumineuses la nuit. Des montres 100% étanches. Si vous portez cette montre, vous pissez le tritium. Quand les Suisses vous disent que les montres sont étanches, elles sont étanches. Non, ne rentre donc, pas le tritium passera par là. Mais je ne comprends pas, d'abord, deux trois petites précisions. Premièrement, non seulement le tritium ne va pas diminuer, mais ça va augmenter parce que le fait de faire intervenir du combustible enrichi, ça a augmenté les doses de bore, et donc comme ça a augmenté les doses de bore, ça va augmenter les productions de tritium. Donc très clairement, ça a augmenté. Et tout, et c'est écrit explicitement par le. Vous n'avez qu'à regarder les historiques des autorisations, des rejets, etc. Vous verrez que le tritium va augmenter. Deuxièmement, le tritium, je l'ai dit, c'est un atome d'hydrogène. Essayez de regarder la difficulté qu'il y a à stocker de l'hydrogène quand vous travaillez sur les questions d'énergie. Le CEA a travaillé sur des récipients pour contenir de l'hydrogène sous pression. Ils ont trouvé une céramique. Il va y avoir une petite entreprise qui fait des récipients de céramique. Ça coûte absolument une fortune pour arriver à obtenir un mètre cube d'hydrogène, parce que les atomes d'hydrogène ont une tendance à un peu se jouer partout, et donc le cirrhum, c'est déjà un atome d'hydrogène avec deux protons de plus, et donc ça se perd aussi. Donc, en gros, le tritium, c'est effectivement un truc dont on ne sait pas trop maîtriser. Après, sur quand même un argument que vous entendrez forcément, c'est que le tritium, c'est un radioélément à période courte. D'accord. Alors, juste la période courte, c'est 12,3. D'accord. Donc, la diminution... 12 ans. Donc ça veut dire que quand même, c'est-à-dire qu'au bout de 12 ans que vous n'en avez que la moitié. Et si vous essayez d'avoir une disparition et tout, vous imaginez, il faut bien 150 ans quand même. Hein, pour 120. Hein, il faut 120 ans. Il faut 120 ans. Oui. Vous avez 10 ans. Non, 1000 fois moins au bout de 120 ans. C'est 1000 fois moins. Mais ça dépend combien tu en avais au départ, Michel. Ben oui. Ah oui. Non, la poubelle, non. Non. D'accord, mais voilà, ici, il faut que vous ayez ces éléments-là. C'est-à-dire que ça n'est pas... une fois que ça a été rejeté dans votre jardin ou dans la rivière, au bout de 12 ans, celui qui a été mis il y a 12 ans, il est rendu à la moitié. D'accord. Mais entre-temps, ils ont continué à en envoyer pendant tout le temps, etc. Et, tout. Et donc, ce n'est pas vrai. Il y a cette idée qu'il y a une période courte, il faut se méfier aussi de ça. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer assez vite qu'il n'y en a plus. Non, il n'y en a pas plus parce que vous en avez remis entre-temps. Et il faut à peu près, pour que ce que vous avez mis au début ait quasiment disparu, il faut 120 ans. Et il se modifie en même temps ou pas? La dominante période, ça veut dire qu'il se transforme dans l'autre dans l'isotope de départ qui est l'hydrogène. D'accord. Ça veut dire qu'il perd ses neutrons. C'est ça qui est... Ok. Une question. Je voulais savoir, c'est quoi la part de la recherche dans le complexe Mitsaro?
C'est quoi? Est-ce qu'il y a de la recherche sur la question? Honnêtement, je crois qu'il y a de la recherche. Enfin, moi, je les crois quand ils disent qu'ils ont essayé 25 trucs pour essayer de ralentir et qu'ils ont pas trouvé. Parce que c'est d'énormes machines, elles sont mises en place. Donc, si tu ne changes pas complètement le process, tu es obligé de réintervenir là-dessus. Alors, c'est pas leur priorité. Mais en plus, voilà, leur priorité, c'est que ça tourne. Voilà, les mecs, ils font. Mais bon, c'est que ça tourne, c'est le problème. Je réponds à deux questions, puis je voudrais terminer mon propos, et puis on revient à trois questions, quatre questions. D'accord, mais après, c'est fini, j'arrête, et je veux finir ce que j'avais dit. On parle de tritium, mais je suppose qu'il reste du bore à la fin dans ce liquide du circuit primaire. Oui. Et le bore, qu'est-ce qu'on en fait? Et est-ce que c'est du bore normal, ou est-ce que c'est un isotope de bore? Alors, je ne sais pas si on a. Alors, moi, je croyais que c'était un isotope de bore, mais c'était du bore normal. Donc, il est considéré comme une pollution chimique. C'est de l'acide boré. C'est de l'acide boré. C'est une vraie pollution, c'est une pollution chimique qui est traitée comme une pollution chimique. Et ça, c'est dans les traitements. C'est rejeté, ça. Dans les traitements. Attends, j'ai revenu. Dans les traitements, je pense qu'il y a aussi, dans ce qui est soluble, il y a des procédés de flocculation. Il y a des procédés où on arrive à faire sédimenter dans certains cas, mais juste en fait, voilà. Il me semble que j'ai vu sur une ou deux éléments d'échangeur qui seraient de prendre le bord. Oui, je voulais juste faire une remarque. En fait, les centrales aussi de bord de mer, en fait, Roland Desbordes l'a bien expliqué dans le fonctionnement de la réacteur, les centrales de bord de mer prélèvent aussi de l'eau. Oui. De l'eau douce. C'est lié à un petit elles en ont besoin. Alors ça, on peut le redire rapidement. Ils ont besoin. Les circuits primaires et secondaires, tu ne peux pas te permettre de mettre autre chose que de l'eau déminéralisée. Et donc, non seulement, quel que soit l'endroit où tu prélèves, même si c'est de l'eau douce, elle subit un traitement de déminéralisation. Et d'ailleurs, ce traitement de déminéralisation produit de la pollution chimique qui est renvoyée ensuite dans le milieu. Alors, une partie de la pollution chimique vient au process de déminéralisation pour les deux premiers circuits. Les deux autres grands thèmes de pollution chimique, c'est ça, c'est le détartrage. Parce que les tours, si l'échange thermique se fait pas bien et tout, si c'est en parfait, c'est immédiatement catastrophique. Et donc pour garder le même rendement, il faut que la flotte soit détartrage. Et donc le détartrage, c'est une source de pollution considérable. Et la dernière, c'est celle qu'on a découvert, c'est toute la pollution biologique, c'est-à-dire les salmonelles, les trucs, c'est des milieux chauds et tout. Et donc les centrales nucléaires utilisent des biocides. C'est ça qu'ils appellent, ces biocides en quantité, et ces biocides, une fois qu'elles ont fait leur rôle, ça s'en va dans le milieu aussi. D'accord ? C'est ça, quand on regarde les grosses pollutions et tout, c'est celles-là. C'est celles qui sont sur la déminéralisation, le détartrage et l'eau déminéralisée, j'ai pas compris, là. Il est où ? Il la met où ? Pourquoi ? Dans les circuits primaires et secondaires, ils ont besoin d'eau ayant une certaine pureté, avec probablement, et donc ils déminéralisent avant de mettre la cyborite. Il ne faut pas mettre de l'eau salée, ça bouffe. Surtout pas d'eau salée. T'as pas de calcaire chez toi ? Non. Deux questions. Oui, vas-y. La première, il met une coquille vide dedans. Hier, on parlait d'arme atomique et je disais que maintenant, on peut carrément considérer qu'en France, le nucléaire civil, le nucléaire militaire, n'ont plus vraiment de relation parce que maintenant la bombe atomique n'est plus A mais H, donc qui utilise du tritium en France en tout cas. Et donc je me demande d'où ils sortent leur tritium, ça c'était la première question, puisque de toute façon on en produit beaucoup. Et la deuxième question c'était de savoir s'il y a une source dans laquelle je puisse aller creuser dans les maths de tous les polluants qui ont été cités, parce qu'il y a plusieurs mécanismes qui ont été cités, pour dire on ouvre la cuve primaire, tous les combien d'eau, tout ça, ça m'intéresserait de pouvoir aller creuser dessus. J'ai bien compris qu'il y a certains, s'il y avait une source pour pouvoir aller faire ça, y compris pour le détartrage et tout ça. Juste, je vais faire passer une feuille avec nom, prénom, adresse mail et on vous enverra les sources et les éléments. Ce que tu as demandé, c'est les volumes, les sources de tritium pour faire la bombe.
Alors ça, moi, je suis nul. Sur changer d'atelier. Moi, je la question, qui me concernait, c'était concernant, enfin, c'était sur la quantité. Alors sur les quantités, il y a une source qui est une source vraiment intéressante, c'est les arrêtés de rejet et tout. Moi, j'ai ici celui de Saint-Laurent et tout. Et tu as absolument tout ce qu'ils vont rejeter. Alors, c'est ce qu'ils sont autorisés à rejeter. Et s'ils sont autorisés à rejeter, ça veut dire que c'est rejeté. Les contenants, les récipients T et S dans lesquels on envoie la flotte, etc., et tout, ils ont, tous des noms. Les récipients, c'est les mêmes, c'est standardisé. Tu les trouves là aussi. Voilà. Après, sur les process, c'est déjà un tout petit peu plus compliqué. Tu ne l'as pas dans les arrêtés. Moi, ce que j'ai comme source, c'est EDF. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils font pour leur... Mais j'ai ça aussi, je vous l'enverrai. Chaque exploitant, est, selon la loi sur la transparence de 2006, chaque exploitant est censé faire un bilan annuel, qu'on appelle le bilan au nom de la loi TSN, Transparence et Sûreté Nucléaire, un bilan alors, de son activité annuelle. C'est lui qui le fait, hein, c'est sa responsabilité. Et là-dedans, vous avez toujours un volet environnement, dans lequel vous avez les rejets, etc. Ce bilan est public et il est normalement accessible sur le site internet de l'exploitant. Et s'il n'y est pas, vous pouvez le demander. Il est disponible, etc. Attention, c'est la source d'information de l'exploitant. Pour moi, c'est 90% de com dedans. Il va raconter combien de chauves-souris il a sauvé, n'importe quoi. Et évidemment, quelques infos quand même. C'est intéressant. Donc ça, c'est une source d'information assez facile d'accès. Voilà. Mais il faut bien prendre ça avec précaution, ce document. Il faut savoir lire entre les lignes, avec les clés un petit peu qu'on vous a données là, pour dire, il va se vanter, voilà, l'autorisation est de ça, et moi je résiste ça, vous voyez comme je suis bon. Ça, c'est ce que vous retrouvez systématiquement. Enfin, juste pour la bombe. Pour faire une bombe, il faut du deutérium, donc l'hydrogène lourd, mais pas super lourd, et du tritium. Et après, ça se trouve relativement facilement. Les militaires, autour de l'endroit où vous avez le plus de tritium en France, dans l'environnement, c'est pas très loin de chez toi, c'est Val-Duc, c'est un endroit où il n'y a pas de fleuve. Et on a fait les militaires ont fait la connerie d'installer une installation nucléaire qui entretient, rénove, etc., bricole les armes nucléaires, dont les bombaches, au sommet d'une colline, et en pleine nature, sans fleuve. Alors, eux, ils sont condamnés, les militaires, parce qu'ils en produisent beaucoup de tritium dans leur bidouillage, là, de leurs armes nucléaires. Parce que la technique de la bombache, c'est d'abord c'est de la technicité, parce que c'est une bombe à fusion thermonucléaire. Il faut donc, pour amorcer la réaction de fusion, il faut de la fission. Donc, c'est une technologie, c'est la technologie qui est complète. Les éléments de base, ils sont relativement faciles à trouver. Donc les militaires sont condamnés à évaporer leur tritium là-bas. Là, ils ont mis carrément des grands évaporateurs dehors, en plein air. Et leur rôle, là, c'est ce tritium qui est dans l'eau. On va le passer sous forme de vapeur et il va partir avec les nuages. Et il va se disperser. Et du coup, vous retrouvez, on a fait toute une étude tritium, nous, sur la Côte d'Or. Vous avez du tritium dans l'eau du robinet sur plus de la moitié de la Côte d'Or, parce que ce tritium, il retombe, il tombe dans les nappes et vous le retrouvez au robinet. C'est comme dans un fleuve. Ça, c'est militaire. Et là, vous avez, dans un rayon à peu près de 80-100 km autour de Val-Duc, toutes les eaux du robinet, qui viennent de nappes phréatiques, toutes les eaux du robinet sont marquées au tritium. Et c'est extraordinaire, c'est génial, c'est qu'à mesure que vous vous éloignez, les taux diminuent. Autrement dit, vous voyez bien d'où ça vient, quoi. Comme le nez au milieu de la figure. Le taux de leucémie aussi va bien. Pardon ? Le taux de leucémie va bien aussi. En général, ça va avec. Hein. J'avais annoncé. Oui, je vais finir. Juste le tritium, ça émet par quoi ? Gamma ? Ça émet par gamma ? Pardon ? Il est radioactif, c'est quoi son émission? C'est bêta. C'est l'émetteur bêta pur. On ne peut pas le voir avec un compteur Julien. Sauf s'il y en a beaucoup, avec un petit compteur, vous arrivez à le voir.
mais c'est un émetteur bêta. Le tritium ? Oui. Oui, je suis sûr. Je fais du bêta. Alors, pour les exploitants, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous entendrez peut-être un truc incroyable un jour, je l'ai entendu, moi, c'est un exploitant qui parlait de ses rejets, parce qu'on l'avait interrogé, du coup, il en parle, et puis il dit, mais il ne parlait pas du tritium, comment ça se fait, le tritium. Et il me regarde, il me dit, mais monsieur, le tritium n'est pas radioactif. Comment Non, il n'est pas radioactif, le tritium, on peut en boire du tritium, etc. Il n'est pas radioactif. Dans le monde du nucléaire, le tritium, c'est pratiquement un élément banal. C'est l'hydrogène. Voilà. Et effectivement, il a été classé comme une toxicité radiologique, émetteur bêta. On pourrait dire qu'il est comparable au césium, à l'iode, etc., d'autres émetteurs bêta. Sauf que dans les tableaux de radiotoxicité, alors là, il est très 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 loin de tout cela. Et effectivement, il a un coefficient quand on a un facteur de dose. On peut un décret de tritium, ça vous donne telle dose en millisievert, en micro, qui est ridicule. Autrement dit, effectivement, il n'est pas dangereux, il ne pose pas de problème. Donc on peut en jeter. Alors moi, ça me pose une question, sérieusement. Comment on a pu établir ce facteur de dose, c'est-à-dire quels dégâts quand vous incorporez un vecteur de tritium? Eh bien, les études sur le tritium sont pauvres. À force de râler, nous, les associations, nous avons obtenu que l'ASN s'intéresse aux problèmes de tritium. Donc elle a écrit un livre blanc sur le tritium. Très intéressant. Parce que là, vous constatez que nos connaissances sur le tritium, elles sont ridicules. On a fixé un facteur de dose très bas parce que c'est un radioélément très utilisé dans l'industrie nucléaire, civile et militaire. Il fallait donc qu'on mette un facteur de dose bas pour pouvoir en rejeter beaucoup. Vous avez compris comment on manipule les trucs. Pour nous, c'est une manipulation, ce qu'on est certain. Donc, si on vous dit, ah oui, mais le tritium, faut pas vous inquiéter, c'est très peu radiotoxique. Peut-être très peu, peut-être peu, mais peut-être pas. Il y avait un intérêt militaire et civil à fixer des normes sur le tritium, qui ne sortaient pas. Vous savez, la norme de potabilité de l'OMS, c'était un des sujets sur lesquels vous êtes. Alors, pour l'Organisation mondiale de la santé, dans l'eau du robinet, qu'est-ce qu'on est censé accepter ? Accepter. Une norme n'est pas la limite du non-risque, hein. C'est la limite du risque acceptable, défini par eux, pas par nous. Donc, qu'est-ce qu'on est censé accepter ? Eh bien, 10 000 becquerels par litre. Jusqu'à 10 000 becquerels par litre, l'eau est consommable. Selon le MES. En réalité, quand on regarde les calculs, parce qu'on se dit, mais comment ils ont pu arriver à ce chiffre-là ? Ouais. Les résultats d'un calcul complètement bidon, mais arrivé à 6 700. Et ils ont arrondi à 10 000. Vous voyez, ça, c'est déjà pas bien. Quand on a une norme, on va être prudent, on ne connaît pas la norme plus haut, on ne connaît pas que le résultat du calcul. Donc, ils ont arrondi à 10 000. Et évidemment, c'est quand même. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que 10 000 quand même, ça fait beaucoup. Hein. Alors, l'Europe a dit, on va fixer non pas une norme, parce qu'une norme, c'est contraignant, hein. On va fixer ce qu'on appelle une valeur de référence. Une valeur de référence, une valeur guide, en gros. C'est un niveau au-delà duquel on va se préoccuper d'un problème. Mais ça ne veut pas dire qu'on va résoudre, hein. On va se préoccuper du problème. Et l'Europe a fixé la limite à 100 becquerels. Attention. 10 000, 100. Ça ne veut pas dire qu'au-delà de 100, l'eau n'est pas potable. Ça veut dire qu'on va informer la population. Regardez les chiffres, enfin les normes qui sont fixées en France sur l'eau. C'est pour ça qu'il m'avait demandé de parler de ces rejets dans l'environnement. Ben, oui, on va les retrouver. Et donc, on va simplement s'intéresser au problème. On va essayer de gratter. Et on va éventuellement informer les personnes concernées. Mais on ne va pas du tout arrêter la distribution.
Vous voyez, cette valeur dite de référence n'est absolument pas une contrainte pour le réseau des distributions. Ouais, faut préciser, à 100 becquerels, si j'ai compris, il faut chercher s'il n'y en a pas d'autres. C'est ça, ce que j'ai dit. Il faut gratter. Ouais. C'est ce que j'appelle gratter. C'est-à-dire s'il n'y a pas d'autres radioéléments. Parce que si vous avez du tritium, vous avez d'autres radioéléments. C'est un mélange, tout ça. Logiquement, il est extrêmement rare qu'on ait que du tritium tout seul. En gros, le tritium est la sentinelle qui va informer sur une pollution. Alors, c'est ce que dit, là. Il dit, oui, si ça dépasse 100, il va falloir gratter. Ce que j'appelle gratter, dans mon langage à moi, ça veut dire chercher un peu plus loin s'il n'y a pas d'autres radioéléments. Puisque c'est un émetteur bêta pur, on ne le voit qu'avec une analyse spéciale, le tritium. Donc, si vous mettez en jeu l'analyse tritium, vous pouvez passer complètement à côté de tout le reste. Donc, les autres radioéléments. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir, c'est que, vous savez, au Canada, ils ont des centrales nucléaires à eau lourde, c'est-à-dire là où le circuit primaire, c'est carrément de l'eau trichée. Là, il y en a beaucoup. Et donc, elles rejettent encore plus de tritium que les nôtres. Mais la question s'est posée autour du lac Ontario, parce que là, on rejette dans un lac. Et quand on rejette dans la mer c'est immense, donc tout le monde s'en fout. Quand on rejette dans un lac, c'est fermé, et qu'on pouvait, on prend de l'eau là-dedans pour boire, là, on est un peu plus vigilant. Donc, il y a une centrale autour du lac Ontario, avec un exploitant, qui dit, ben moi j'ai envie de rejeter dans le lac, comme on le fait dans la Loire. Et on lui dit, commence à dire, ben, moi je peux rejeter dans le milieu naturel jusqu'à ce que l'eau du lac atteigne 10 000 becquerels par litre. 10 000. C'est 18 000. Ben, c'est là-bas, c'est la valeur. C'est 18 500 au Canada. C'est 10 000. Non, c'était 6 700, je crois. 18 000. Et on dit à 10 000. Parce que 3700, deux fois 3700, 3700 c'est toujours le curie, vous savez, qui sert de. Enfin bon. 7004. On parle là-bas de 10 000. Et évidemment, les associations, les riverains, ils disent non, nous c'est pas possible ça. Du coup, il y a conflit. Et Santé Canada, qui est le ministère de la Santé, dit on va mettre tout le monde autour de la table. C'est génial. Et on va faire ce qu'on appelle une norme de consensus. C'est-à-dire, vous avez les riverains, les associations, etc. Vous avez vos experts. Il y a l'exploitant, il a ses experts. On vous enferme dans une pièce et on vous dit, mettez-vous d'accord. Il faut que vous sortiez avec un chiffre. Alors évidemment, les exploitants disent, c'est 10 000. Hein. Les riverains disent, c'est zéro. Hein. Il va falloir se rapprocher. Et vous savez combien ils sont arrivés? C'est intéressant. Ils sont arrivés à 20 becquerels par litre. Eh bien oui. Quand on demande l'avis aux gens et qu'ils savent s'entourer d'experts, etc., et qu'on a des politiques, enfin, je ne sais pas, un modèle pour moi, là, qui ont joué un rôle, je dirais, positif, d'ailleurs, on va faire une norme de consensus. Ils auraient pu trancher en disant non, c'est zéro. Oui. C'est la protection assurée. Là, on est sûr qu'il y aura la condition. Mais on a joué le jeu. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant comme exemple aussi d'un combat qu'on peut mener. Dire, c'est notre environnement, c'est notre bien. Et nous estimons que vous n'avez pas le droit de nous saloper. C'est pas le nôtre, voilà. C'est celui de nos enfants. Et ça, c'est à dire qu'on peut proposer parce que sinon, on n'y arrive pas. Désolé, je vais m'accompagner. Je vais te dire tout de suite. J'ai compris ce que tu disais. On peut s'adresser à la SN et tout. Moi, je pense qu'on s'adresse aussi beaucoup au public. Et que on a un intérêt sur cette question des effluents liquides, c'est que les normes qui ont été fixées. Alors c'est vrai que c'est bizarre, parce qu'ils disent d'un côté que le tritium, c'est pas grave, ça n'a pas d'effet, que sa période biologique n'est pas la même que la période radio, etc. Tout ça est écrit,
Pour autant, pour une raison que j'ignore, ils ont fixé des normes de rejet, des volumes nécessaires, des débits nécessaires pour pouvoir rejeter ces effluents, qui sont des normes relativement élevées. Alors, elles n'étaient pas forcément élevées à l'époque, mais elles vont le devenir. Donc, je les donne pour ces effluents qui sont avec du tritium et d'autres effluents radioactifs. Les centrales nucléaires avaient le droit de rejeter à condition qu'il y ait au moins 60 mètres cubes par seconde dans la rivière Loire. Ils n'arrivaient pas. Alors, pour arriver à ces 60 mètres cubes par seconde, qui n'est pas du tout l'étiage naturel, comme vous l'avez bien compris, on a construit en même temps, et ces deux barrages, j'insiste là-dessus, ils ont été construits pour ça, on a construit un barrage à Villefer, qui est ici, par là, Rohan est là, c'est juste un amont de Rohan, et un autre qui est là, qui est difficile à voir sur la carte, parce qu'il n'est pas réellement sur l'Allier, il est sur un affluent de l'Allier, ça s'appelle le Chapeau-Roux, et il y a un immense, c'est le barrage de Nossac. Ces deux barrages-là ont comme fonction première, c'est leur première fonction, d'envoyer de l'eau ici, avec, pour que ici il y ait 60 mètres cubes par seconde en permanence, y compris l'été, y compris dans les périodes d'étiage. Donc ils ont une fonction de soutien de l'étiage pour ces 60 mètres cubes par seconde, pour qu'on puisse rejeter les effluents radioactifs, parmi lesquels particulièrement le tritium. D'accord ? Et donc, peut-être que c'est pas grave, mais enfin quand même, il y a une législation qui dit qu'il faut qu'il y ait 60 mètres cubes par seconde quand même, pour pouvoir le diluer. Dans la eau. Et il faut 60 mètres cubes par seconde. Et puis après, on s'est rendu compte que si on dépassait, si on était en période de crue, dans ce cas-là, il y a un phénomène dans les périodes de crue, c'est que la rivière a un peu tendance à s'étaler partout, et que quand elle repart, elle laisse le tritium partout, et donc ça ne s'écoule pas. Et donc il y a un débit maximal, qui est de 1500 mètres cubes par seconde. La Loire est une rivière extrêmement irrégulière. Elle va entre 20 mètres cubes par seconde et 10 mètres. Et donc, on a donné ça. Il se trouvait que, très souvent, on descendait en dessous de 60 malgré le soutien des pierres. Et donc, il y a eu une exception qui a été faite et on leur a permis de descendre jusqu'à 50. C'est-à-dire que la norme dit que c'est 60, on ne peut pas y aller, qu'est-ce qu'on fait? On change la norme. D'accord? Sauf que maintenant, on descend très régulièrement en dessous de 50, tout. Et donc, alors vous pouvez les regarder, les arrêtés disent, et je pense que c'est important de s'appuyer sur ces questions-là, les arrêtés pour Saint-Laurent disent, entre 47 et 60, il faut avertir la SL, si on rejette. S'il y a entre 60 et 1500, vous avez droit, au-dessus de 1500, vous n'avez plus le droit. Pour la Vienne, c'est des chiffres qui sont inférieurs. Alors, je vous le fais peut-être, mais je l'ai écrit là. Entre 20 et 27, il faut avertir la SN. Entre 27 et 350, c'est possible. Et entre 350 et 400, c'est de nouveau avertir la SN pour savoir si on a le droit de le faire ou pas. Et autrement, vous pouvez envoyer. D'accord ? Ce qui est complètement intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est en dessous de 47 ? Parce que ça arrive déjà. Ça arrive déjà en ce moment qu'on descend en dessous de 47. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que EDF garde les effluents dans ses réservoirs et tout, et attend que ça remonte à 50 pour pouvoir envoyer. D'accord? Et là, vous allez tomber sur quelque chose qui est extrêmement pernicieux, parce que, comme ce débit, il est commandé par des barrages, pas par l'eau qui tombe, mais commandé par des barrages. Si vous retenez la flotte des barrages pendant 3-4 jours pour tasser un peu les choses, vous descendez tranquillement à 35-40 mètres cubes par seconde, c'est pas grave. Vous lâchez sur les deux barrages en même temps, et hop, ça monte au-dessus de 50. Et à ce moment-là, le MEDEF ouvre ses réservoirs SET, plouf, on emmène le tout, et ça redescend. Vous pouvez trouver que c'est astucieux comme tuyauterie. Simplement, vous imaginez que dans ces rivières-là, il y a un peu de flore et un peu de faune. D'accord ? Et que vous imaginez que ça veut dire que la faune, elle va apprendre à vivre au rythme des lâchers des centrales nucléaires. D'accord ? Et que donc, le brochet
le petit brochet qui est en train de grandir tranquillement dans son annexe hydraulique et tout, tout d'un coup, parce qu'il va y avoir un lâcher, ploum, ça va monter de 10 cm et tous les petits brochets vont s'en aller. Et réciproquement, si le gros est arrivé et qu'il est allé se mettre sur la frayère, je vous donne ça comme exemple, mais il y en a des dizaines d'exemples comme ça, le gros brochet, il vient se mettre sur la frayère, il est en train de frayer, etc. Et tout, et là, tout d'un coup, il y a un bugus qui ferme le robinet, et tout, il est coincé, il s'en ira plus, il crève dans sa petite mare, tranquillement, etc. Et tout. Et donc, cette espèce de façon de gérer les milieux qui sont des milieux naturels dans lesquels il y a une faune et tout, comme des robinets, et c'est à ça que la gestion va relayer, va conduire, c'est-à-dire qu'on va gérer des trucs par à coup, par épuisée, je veux dire, ça va conduire à une artificialisation complète de tout le lit par ailleurs. C'est pas vrai partout. C'est pas possible. La continuité écologique de l'eau. C'est une directive européenne. Nous, dans les Vosges, on se bagarre parce qu'on nous demande de supprimer des multitudes de petits barrages, tout petits barrages qui, justement, à cause de ces lâchers de barrages à l'éclusée. C'est absolument interdit pour des ridicules petits barrages. Alors, je ne comprends pas comment, d'ailleurs, c'est vrai que l'EDF est hors la loi par rapport à ça. Je vois que ça confirme bien ce qu'on entend chez nous. Mais c'est quand même pas du tout logique que ça puisse se faire là, à grande échelle, et puis qu'on enquiquine les gens qui veulent fabriquer de l'électricité à partir de petits barrages, on leur interdit, on leur somme de détruire leurs barrages aux frais du contribuable, puisque la destruction des barrages est payée par l'État. Oui, je propose, sur la question des plus grandes légères. Je suis prêt à avoir une discussion sur la continuité écologique, sur les seuils, sur tout ça et tout, quand on veut, mais peut-être à table, parce que là, si on l'aborde maintenant, on en a pour au moins 2 heures. D'accord ? Donc je ne prends pas maintenant là la question de la continuité écologique des rivières, des sédiments qui se baladent, ou qui ne se baladent pas, etc. Et tout. Je ne prends pas ça. Simplement, ce que je dis, c'est que dans les faits, au départ, une norme qui était que c'était 60 et qu'on avait fait ce qu'il fallait pour que ça soit 60, elle est descendue à 50, qu'elle est rendue à 47, et qu'il y a un moment où ça devient trop grossier de continuer à la baisser, et que donc pour ne pas la baisser, on va adopter des méthodes qui sont des méthodes de bricolage. Et donc, alors je vais finir là-dessus sur le réchauffement climatique, enfin les modifications climatiques, dont les prévisions un peu approximatives disent que quand même ça risque, plus de température, ça risque de diminuer les étiages de l'été. Or, vous avez bien compris que c'est sur l'été que ça va gérer. Donc si ça diminue les étages de l'été, les centrales nucléaires sont toutes en train de se poser la question de comment elles vont s'adapter à ce genre de choses, parce que tout le monde a bien compris que ça s'accélérait un peu plus vite que ce qu'on croyait. D'accord ? Donc, elle se pose ces questions-là. Et la première question qu'elle se pose, c'est les normes de 47 et 50. Et la réponse qu'elle prend, c'est on va construire des réservoirs supplémentaires, parce qu'on aura besoin de stocker pendant un certain temps pour attendre le premier moment où ça remontera, etc. Ce que je dis, c'est que si, évidemment, il flotte, parce qu'il y a des phénomènes de remontée d'eau qui sont des phénomènes liés à un orage, hein, ça existe aussi. Moi je bosse avec des gens qui travaillent sur le peuplier noir qui vient s'installer sur des îles et tout. Le peuplier noir, les graines sont là. Quand on a un coup de flotte et tout, il n'y a pas de peuplier noir qui pousse pendant l'année. C'est l'année d'après, on attend que ça revienne. Et tout. Et donc on a des analyses de ces questions-là. Et si on a un développement, s'il y a un orage de temps en temps, mais c'est la nature, hein. Mais s'il y a l'équivalent d'un orage tous les ans, tous les ans, tu as toute la faune qui est toute la faune et toute la flore qui est perturbée. Et ce que je dis, c'est que ça a commencé. C'est-à-dire on a des traces précises du lâcher des deux barrages qui a fait qu'à un moment, ça a monté de 10 cm. D'accord ? Or, ce lâcher, il n'a pas d'autre justification que d'atteindre la norme qui a été donnée. D'accord ? Voilà. Je dis ça. Après, honnêtement, ici, quand même. Enfin, le problème que posent les petits barrages, c'est pas fondamentalement leur lâcher, c'est autre chose. C'est ce que je comprends pas. Mais ça, on en parle à un autre moment. C'est de l'eau. Oui.
à la source, elle a une certaine hauteur, on est d'accord. Et elle va à la mer, donc il y a une différence. Oui. L'eau, où elle va stagner, où? Ah non, mais attends, tu as deux barrages qui sont des barrages réservoirs. T'as deux barrages. Oui, mais sur Civo, c'est quoi les conséquences? Civo, Civo, il n'y a pas eu besoin de construire parce qu'il y avait Vassilière. D'accord? C'est-à-dire en haut, là, il y a un barrage qui est un barrage électrique, un barrage de PF depuis extrêmement longtemps, c'est le barrage de Vassilière. Et il y a une très grosse réserve, Vassilière. Les grands barrages de Vassilière. Et donc, on a fait jouer à Vassilière le rôle de soutien des DH pour Civo, ce qui fait que ils ont changé le règlement de la civière, c'est-à-dire que EDF, en plus, vous voyez bien, EDF est haut debout. Hein. Donc, s'il lâche de la flotte pour faire de l'électricité hydroélectrique, donc il y gagne de ce côté-là, mais si la centrale qui est là lui dit ça serait bien de lâcher de la flotte maintenant et tout pour que moi je puisse moins, EDF ne refuse pas à EDF de lâcher un peu de flotte. Donc, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu besoin d'en construire un autre. Donc il y en a trois. Alors donc, des barrages qui ont été construits spécifiquement pour les centrales nucléaires, c'est l'Ossac et Vivala. D'accord, j'affirme ça. Alors on leur a donné d'autres fonctions. Hein. Comment on a dit, Vivala, ils sont à côté. Quand ils lâchent de la flotte, ils en profitent pour mouliner et ils font des exploits, c'est normal. Et ça a aussi une fonction, ce qui a été rajouté, de prévention des crues. Parce que du coup, si tu baisses, ben, s'il y a la flotte qui arrive, tu peux l'utiliser comme réservoir. Tous ces barrages-là, ça nous emmènerait loin. Tous les barrages sur la Loire sont tous des barrages multifonctions. Et donc toute la question d'ailleurs est-ce que multifonction c'est possible? C'est-à-dire est-ce qu'une fonction ne va pas venir en rencontre avec l'autre? Parce que vous comprenez bien que si vous videz votre réservoir pour qu'il y ait une crue, ben, vous n'avez plus de flotte pour faire le soutien d'étiage. Or, les crues de la Loire, c'est compliqué. La crue de 56, c'est en juin. La crue de 46 et 66, c'est en septembre. On a eu en septembre, il y en a une qui va être en février. Et donc, gérer en disant qu'il faut que ça soit vite pour la crue va arriver, il faut déjà que tu sois capable de prévoir quand elle va arriver. Or, en gros, au mois de juin, logiquement, les barrages sont pleins parce qu'on va en avoir besoin pour envoyer de la crue. Si la crue arrive au mois de juin, le barrage est déjà plein, donc ça passe par-dessus. Oui, absolument. Et c'est ça, et c'est là qu'il y a quelque chose qui est très bizarre. C'est-à-dire qu'on te donne un débit minimum, tu n'as pas le droit d'envoyer et tout. La quantité que tu envoies, elle n'est pas chiffrée, sauf en annuel. D'accord. Et donc, si tout le monde lâche en même temps, ça veut dire qu'à ce moment-là, ils passent dans le truc. Et s'ils font des réservoirs supplémentaires, ça veut dire qu'ils lâcheront deux fois plus que ce qu'ils lâchaient la fois d'avant, au moment où ils sont à 5 ans. D'accord. Et donc, on voit bien là qu'on est sur un truc où on s'adapte à une norme. En même temps, moi ce que je dis qui est intéressant, c'est premièrement que s'il y a une norme comme celle-là, ça peut bien être quand même que c'est pas un électricien, parce que tu n'as pas le droit d'en envoyer quand il n'y a pas. C'est un premier élément d'argumentation. Et puis ensuite, il y a un deuxième élément, c'est que comme on va se ramasser bientôt tout le truc qu'il faut s'adapter au changement climatique, tout d'un coup, tu te retrouves avec des centrales nucléaires qui, dans le changement climatique, vont avoir une fragilité supplémentaire. Donc c'est intéressant d'indiquer à quel point elles ne seront plus éventuellement vivables. Et donc de coincer sur tous ces trucs-là. C'est-à-dire parce que, le dernier élément, c'est que vous voyez bien que ce que je viens de décrire sur la façon dont fonctionne les lâchés, ça indique que, une petite cause va produire des effets qui vont toucher absolument tout le monde sur le bassin. C'est des éléments qui mettent en cause tout le fonctionnement du système et pas que en amenant de la radioactivité. Is anybody monitoring the sediments in any of the rivers or the must be radionuclides accumulating in some of them? Est-ce que quelqu'un monitore les radioéléments qui se déposent dans les sédiments des rivières? Est-ce que quelqu'un mesure ce qu'il y a dans les rivières? Alors là, c'est SDN Noir. Nous, à SDN Noir-Eden, on vient de mettre en place
prélèvements, on a été formés pour faire des prélèvements. On va commencer là avec cela. Vous pouvez en parler. Mieux que moi d'ailleurs. Est-ce qu'on fait des prélèvements? Nous militants, on va faire des prélèvements qu'on va faire analyser. Par qui? On mesure. Par qui? Par qui on a été formé? Non, par qui vous faites analyser? À l'ACRO. À l'ACRO. Accro. Pas l'accro. C'est l'autre association. C'est polarisation. Ah, je connais pas. There is no government. But we, the association, we intend to do it. And I share our experience in Hinckley, ahead of them building the EPR. Notre expérience à Hinckley, ceux qui construisaient le EPR. We have a body called the Environment Agency. They are responsible for the licenses, for discharges. On a un corps qui s'appelle l'agence d'environnement. Et c'est eux qui s'occupent de ça. And in Stop Hinckley, we asked for there to be monitoring to establish a baseline before the EPR is built. Et on leur a demandé d'établir une ligne de base avant que le EPR soit construit. So we, the Environment Agency took samples, and we took our own independent samples from the same place. Ils ont échantillonné, et nous aussi, on a fait nos échantillonnages indépendants dans les mêmes endroits. So the reactor is a maritime reactor at the coast. Et le réacteur est un réacteur maritime. And what we found is there is pollution all up the River Parrot, which is where I live. Et on a trouvé qu'il y a de la pollution dans tout le River Parrot. All through the river. The river is the name of the Parrot. Ah, ok. Dans toute la rivière. C'est un Parrot. Parrot is just the name. Dans la rivière. Several miles inland of the river. Plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres dans la rivière. From the existing reactors. À plusieurs kilomètres en amont des réacteurs qui existent. Peut-être une petite réponse rapide. En France, en général, la question du nucléaire est séparée des autres questions. C'est-à-dire que quand par exemple, les associations qui s'occupent de la qualité de l'air, s'occupe de la qualité de l'air, mais pas des radioéléments de la qualité de l'air. Quand il y a un plan de régional sur la santé, c'est à ça que vous êtes porté, quand il y a un plan régional sur la santé, on s'occupe de tous les polluants, mais pas du nucléaire, parce que ça renvoie à la SN et à d'autres. Et on est en train d'essayer de le faire changer. Et c'est un des objectifs de ce que fait l'association Loire-Vienne. Et l'idée, c'est que dans le plan régional santé-environnement, ça existe dans toutes les régions, un plan régional santé-environnement, il y avait des éléments sur la pollution de l'eau, sur la pollution de l'air, tout ça a été mis, mais il n'y avait jamais de nucléaire. Et donc, on est en train d'essayer d'obtenir que dans le plan régional de santé, on ait des éléments de mesure de pollution. Et il y a un élément particulier, c'est que vous savez peut-être que la centrale de Saint-Laurent a eu un accident en 1969. Et que très clairement, il y a eu des rejets dans l'environnement important. En quelle année, pardon ? Ben, il faut leur donner mon choix. 69 et 80. C'est un accident. C'est du plutonium. Et il y a vraisemblablement du plutonium. Et donc, c'est intéressant d'essayer de regarder si dans les sédiments d'un mort à cet endroit-là, on trouve des concentrations de plutonium particulières. Et ce qu'on veut faire valoir aussi en prenant le cours de la Loire, c'est que effectivement, ça dépasse la région.
une région sanitaire. Oui. Hein, voilà, parce que ça va quand même jusque l'estuaire de la Loire et ça va aussi. Angers. Voilà, du côté d'Angers et puis même au nord, il y a des installations de base. Et ça, c'est absolument général. Tu as parlé de la Loire, tu as parlé de la mer tout à l'heure. Le Lyon, il est vertueux aussi. Oui, à Angers. De la centrale de Belleville. Vous m'avez parlé des rejets gazeux, alors qu'on est à 5 minutes de la fin. Alors, sur les rejets gazeux, je l'ai fait très très vite. J'ai dit qu'il y en avait. Roland a expliqué qu'il partait en continu. Et je redis ici qu'en quantité par rapport aux rejets liquides, c'est relativement peu important. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, mais en quantité, c'est quand même vraiment sur les rejets liquides. Par contre, l'autorité de sûreté nucléaire essaye de faire basculer les exploitants, quand c'est possible, pour diminuer les rejets gazeux. C'est vrai que globalement, ils ont plutôt diminué pour faire basculer vers les rejets liquides. En gros, si un élément qui est gazeux, on peut le diluer, le transformer en liquide, etc., on le fait passer dans les rejets liquides. Donc globalement, ils ont un peu diminué. Pourquoi ? Parce que quand ils font leur calcul d'impact sanitaire, on rejette des becquerels, donc l'exploitant doit faire une évaluation avec des modèles, des calculs. On fait des calculs, hein. Évaluation fausse, ce n'est pas des études épidémiologiques. Hein. On fait une évaluation par un calcul, un modèle mathématique. À partir du rejet, en gros, le becquerel qui se déplace à la cheminée, qui retombe là, ou celui qui part dans la rivière et qui va se retrouver dans les sédiments 100-200 km de là. Pour nous, la vallée du Rhône, là où vous trouvez toute la radioactivité rejetée dans toutes les installations de la vallée du Rhône, et il y en a un paquet, ouais. C'est un peu comme vous, c'est là où le Rhône ralentit, nous, il y a un gros débit, mais qui devient de pire en pire, parce que l'été, nous, il n'y avait pas d'étiage, le Rhône, il filait, sauf que les glaciers ont fondu. Hein. Ouais. Et il y a des laitiages qui commencent à devenir sérieux sur le Rhône. Donc, là où le Rhône ralentit, c'est en Caral. Et à partir d'Avignon jusqu'au bord de mer, là vous avez les sédiments du Rhône, et bien ils sont très très chargés en radioactivité. En gros, vous retrouvez la radioactivité rejetée à Cruas, à Grenoble, à Lyon, etc. Elle est là-bas. Hein. Sauf que pour le discours officiel des exploitants, eux, ils font leur calcul comme si les becquerels. Ils s'arrêtaient à quelques dizaines de mètres de leur centrale. Et comme ils font des mesures dans l'environnement et qu'ils ne les trouvent pas là, ils disent, ben tiens, ils ont disparu. C'est pour ça que l'impact sanitaire, on fait basculer les rejets aériens, souvent, sur les rejets liquides, parce que les rejets aériens, ceux-là, ils ne peuvent pas les cacher. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont partis à 300 km. Ils sont retombés forcément dans un environnement plus proche. Et la voie vers vous est plus directe. C'est vrai que l'ASN, pour moi, c'est toujours des décrets qu'on rejette dans l'environnement. Alors le riz de Camargue, il n'est pas fait. Pardon, le riz de Camargue, le riz de Camargue est arrosé avec l'eau de Camargue, de l'eau du Rhône, en situation normale. Le riz de Camargue, il n'a aucun problème parce qu'on irrigue les rivières. On ouvre les vannes quand l'eau du Rhône est claire. Le problème, c'est quand le Rhône charrie les sédiments. C'est un truc. Là, l'eau du Rhône, elle est très radioactive. Nous, on a une balise qui mesure la radioactivité de l'eau du Rhône à Avignon. Et je peux vous dire que dès que le Rhône est en cru, et qu'il transporte des sédiments, le niveau de radioactivité dans l'eau augmente. Pourquoi ? Parce qu'il transporte des éléments naturels, mais pas seulement. Et donc, il y a eu deux événements, en gros un, deux événements, c'est quand le vrai problème, c'est quand les digues lâchent sous l'effet d'une pluie du Rhône. Ça s'est produit en 93, il y a eu de très grosses inondations. La Camargue risicole a été inondée par le Rhône, et il se trouve que le Rhône était en cru, justement. Et là, il était charrié en sédiments. Et les sédiments du Rhône, vous les avez retrouvés dans les rivières. Nous avons dénoncé ça, nous, la Cruas, une étude là, sur ce point,
Évidemment, les riziculteurs et les fous furieux, ils sont montés en délégation à Valence, à Nostra, ils voulaient tout casser. On est responsable de rien. Il faut vous adresser à dire oui, mais avec elle, on ne peut rien faire. On préfère venir vous casser la gueule que je ne pas. Alors, vous d'abord, ils sont calmés. Vous avez cet effet de Damoclès, donc elle est là. Vous devez faire avec. Comment? Eh bien, en faisant analyser votre prix. Si je vous dis, mais vous voulez qu'on vous paye des années, je dis, mais vous ne pouvez pas faire ça à quoi, faites faire ça à qui vous voulez, mais vous êtes obligé, vous, maintenant, de faire analyser votre prix régulièrement, surtout qu'il y a un gros producteur de riz bio, qui fait ça depuis longtemps, et qui est honnête, et qui a dit, bon, ça va, j'ai compris. Mais il se trouve qu'il n'y a pas eu d'épisode depuis 1993-1994. Parce que nous, les sédiments qu'on a retrouvés dans les rizières, dans les canaux, c'était les sédiments du Rhône, ils étaient radioactifs. Par contre, dans le riz lui-même, on peut le trouver. Et comme la situation ne s'est pas reproduite depuis, elle n'a pas dû empirer. Mais ben moi, je ne prends que du riz de Fukushima, moi. C'est une menace sérieuse. Solidaire. Pour vous dire, il est juste midi. On était censé faire autre chose, mais comme on a parlé de tout ça, c'est pas grave. Puis peut-être Arlette et Françoise, vous pouvez dire un petit mot. Oui, mais je voulais dire un petit mot, c'est que, bon, il y a beaucoup de centrales nucléaires, c'est sûr, mais à l'origine, vers l'amont des rivières, il y a aussi eu les mines d'uranium. Alors elles sont toutes fermées. Par contre, les stockages de résidus radioactifs, ou même les stériles qui sont en surface, il y a des écoulements, il y a encore Areva qui fait des traitements chimiques pour réduire les rejets de radioactivité, mais néanmoins, il y a quand même des rejets de radioactivité, il y a des rejets de produits chimiques qui vont dans la Bèbre, qui vont... Et qui vont, donc, il y a ceux qui arrivent de Guignon, donc du Morvan, un peu plus... un petit peu plus à l'est, il y en a qui viennent du Puy-de-Dôme, il y en a aussi, sur le Limousin, il y a aussi ceux de l'Écartière, donc en plus des centrales nucléaires, vous avez du radium-226, vous avez donc pas mal de rejets qui viennent des anciennes mines d'uranium, à savoir que même si elles ne sont plus en état de fonctionner, elles ne sont plus en activité, il y a quand même des rejets, et il y aura des rejets pour très longtemps. Tu as raison, Arlette, et ce sont des rejets illégaux, totalement illégaux, parce qu'ils ne bénéficient pas, entre guillemets, toujours, d'autorisation. On est dans des rejets sauvages, et c'est illégal, mais n'empêche que ça se fait. C'est reconnu, c'est bon. Nous, on a fait beaucoup d'études justement sur les fleuves, y compris autour du massif central, pas loin là, où on voit que les anciennes mines, parce qu'elles ont mal été réhabilitées, eh bien, vous avez des rejets, mais ça, c'est pas légal. Là, on peut se bagarrer pour dire c'est pas bien. N'empêche qu'on n'arrive pas à gagner. Traiter des eaux polluées par la radioactivité des anciennes mines d'uranium, donc ce qui est le cas, traiter ces eaux, c'est pas facile. C'est pas facile. Le problème, c'est qu'on a mal aménagé ces sites, qui fait qu'on arrive à avoir des rejets. Avant, ça partait nature, on arrive à obtenir, mais là, on arrive à les faire traiter. Sauf que le traitement, des fois, est presque pire, parce qu'on utilise des tas de produits chimiques, et en fait, ce n'est pas très efficace non plus pour enlever la radioactivité. Donc, ce n'est pas terrible. Enfin, Arlette se bagarre beaucoup. Donc, il y a du chlorure de barium, il y a du sulfate d'aluminium. Quand Areva, ça ne marche plus comme ça, ils essayent un autre produit chimique. Au niveau des bois noirs, on a une digue de retenue des résidus qui sont en fond de vallée. Donc on n'a pas du tout la continuité écologique. Le barrage fait 42 mètres de haut. L'échelle à poissons, on n'a plus d'eau depuis des années et des années. Et bien, ils considèrent finalement que tant pis pour la continuité écologique, qui devrait être obligatoire, vaut mieux qu'il n'y ait pas d'eau dans la place à poissons. Parce que si l'eau, en cas de débordement,
et ben, risque de raviner la digue et de créer des problèmes au niveau de la digue. Donc c'est tout contradictoire, quoi. Mmh. Il y a de la théorie, il y a de la pratique, il y a tous les problèmes de terrain qui sont inimaginables. Ouais. C'est pas abusé du temps. Alors, là, on était un peu nombriliste à rester sur la Loire, mais j'avais prévu, moi, une autre carte, une carte d'Europe. Et en fait, ce que je disais de la... De notre collectif, là, des différents groupes autour des centrales, en fait, en faisant cette carte et puis en me penchant un peu sur les centrales accessibles sur une petite carte, c'est qu'effectivement, on aurait tout intérêt aussi, nous les Européens, à se regrouper, parce qu'on voit bien que certaines centrales sont sur des rivières, par exemple Fessenheim sur le Rhin, mais il y en a en amont, des centrales qui sont en Allemagne, il y en a en aval, et puis par rapport à la Belgique aussi. Alors la Belgique, elle... voilà, il y a la Moselle, voilà, nous on a Chose, Castenon. Donc voilà, donc il y a les bassins fluviaux, on titrait notre propos bassin de lutte, c'est-à-dire que effectivement il y a sans doute quelque chose à fédérer dans nos luttes. Quand je me suis penchée aussi sur l'Espagne, en Espagne il y a le Rio Tajo qui est le Tajo, donc il y a des centrales qui sont que en Espagne, hein, le Trio qui est le plus en amont, ensuite Zurita. Et ensuite, tout près de la frontière du Portugal, Rio. Et effectivement, Rio, c'est une centrale que les Portugais décrivent. Et bien, effectivement, le Tajo se jette à Lisbonne, dans l'Atlantique. Donc, je crois que plutôt que de se bagarrer, les histoires de frontaliers, il y a quelque chose à porter à plusieurs. Et puis, je pense que j'en ai oublié. J'avais fait aussi la carte de l'Angleterre avec les différentes centrales. Et il y en a. Voilà. Donc là, l'Angleterre étant une île, c'est un peu plus difficile, on peut les souffrir. Quand même. Il y a concerné. Réciproquement. Je distribue la parole à Dominique, madame, monsieur. Surtout que j'en ai que pour 30 secondes, c'est simplement que quand on décrit des rogers dans un fleuve ou derrière une centrale, on vous donne une série d'éléments. Et quand vous posez la question de savoir si tous ces éléments que vous rejetez ne sont pas en recombinaison possible, quand vous rejetez des sulfates, plus de l'acide borique, plus je ne sais pas quoi, tout ça, ce n'est pas des éléments séparés, c'est aussi des éléments qui vont se recombiner, et ça, il n'y a aucun travail de fait là-dessus. Et ça pose un autre problème, que ce soit radioactif ou chimique, hein, la question est exactement la même. Ça, c'est une question que moi j'ai posée à l'IRSN, il ne répond pas. Madame, oui, moi je voulais savoir, je pense debout. Que le tir du nucléaire aurait tout intérêt à faire une grande carte de toutes ces centrales qu'on puisse consulter sur Internet. Parce que. Françoise sur Internet, il y a des gens qui savent faire. Elle existe. Oui. Elle existe en papier, en tout cas. Elle existe sur Internet aussi, moi je l'ai trouvée il y a une semaine. À l'échelle européenne, elle n'est pas très. Elle n'est pas lisible. Oui, je voulais répondre par rapport à l'Angleterre. En fait, l'Angleterre et la France sont quand même séparées par le Channel. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des liens. Et il y a deux centrales, Pavel et Penly. Les vents dominants sont des vents de sud-ouest. Donc le jour où il y a un accident, c'est l'Angleterre qui prend. Et il y a eu un incident sur une industrie chimique sur Rouen. Il y a eu un lâcher de l'air captant. Et ça a été ressenti, hein, parce que ça a eu une odeur très forte jusqu'à là. Moi, je voulais juste parler de Cattenom. Donc Cattenom est refroidi par la Moselle. En fait, c'est un barrage qui se situe dans les Vosges, qui s'appelle Pierre Percé. Donc le maître d'œuvre de ce barrage, c'était EDF dans les années 75. On s'est bagarré contre, mais on n'a pas réussi. Voilà. Et donc à l'époque, on ne parlait pas d'aléas climatiques.
Et en ce moment, Capcom a des soucis par rapport au problème d'étiage. En fait, on doit répondre à un minimum d'étiage à la frontière, puisqu'on est à la frontière du Luxembourg. Donc soit on ne respecte pas les accords européens, soit on arrête la centrale de Capcom. Il n'y a plus de normes européennes. Non, mais c'est un respect. On parle de normes. Non, mais c'est un respect des étiages. Sur ces rejets, il n'y a rien. Et c'est vrai que c'est un gros sujet de conflit qui se règle souvent comme ça. La Moselle, le Rhin pour Fessenheim, la Meuse, etc., qui vont ensuite dans des pays voisins, qui ont aussi des centrales. Alors, ce n'est pas le cas de Luxembourg, mais qui ont aussi des centrales, mais qui n'ont pas les mêmes limites. Je dis pas que c'est mieux chez eux. Oui. Il y a une prise de parole ici. Oui, du coup, je sais pas. Je suis Malvézy, Areva. Ils ont des déchets chimiques et nucléaires qu'ils ont stockés depuis 20 ans ou 30 ans. Bref, je crois que c'est 40 millions. Je n'ose pas dire le chiffre, tellement ça semble faramineux. Apparemment, ils ont trouvé la solution. Et là, maintenant, depuis deux jours, je me dis que c'est peut-être ce qu'ils vont essayer. C'est peut-être un test pour essayer après ailleurs, du fait du réchauffement climatique et du niveau d'eau qui baisse et réchauffe, c'est ils veulent incinérer les déchets et les gens autour se battent, mais ils vont y arriver. Enfin, je veux dire, il faut aider partout, hein, parce que à mon avis, si ça se fait à Malvézy, je me demande s'ils vont pas vouloir le faire ailleurs, incinérer les déchets, quoi, un lieu actif. Mais je voulais dire que quand on a conçu cet atelier dans le cadre du forum, on s'est pas trompé de beaucoup, parce qu'on avait pensé, on avait deux idées. C'est le comité de facilitation qui nous a demandé de réunir nos deux idées d'atelier en un seul. La façon dont ça s'est déroulé, moi, qui était tout à fait intéressante et passionnante, montre qu'il y avait bien matière à travailler sur les deux aspects. À la fois cet apport théorique qui nous a été fait, qui nous rend plus compétents face à nos détracteurs, mais aussi, et qu'on n'a pas eu le temps de développer, que François vient de faire très rapidement, cette idée de... On n'a pas vraiment de frontières, ni régionales, ni nationales, et qu'on a un grand intérêt à se regrouper. Voilà, je pense que ça ferait l'objet d'un autre atelier, un autre vrai atelier, comment on peut s'organiser. Et on voulait juste vous dire deux mots de ce qui a fait ce regroupement des associations qui chacune dans leur coin bossait tant bien que mal, et puis on voit bien que de temps en temps la lutte s'essouffle, on ne sait plus trop comment remobiliser. Et nous, de notre point de vue, depuis un an et demi hein, qu'on travaille ensemble, on constate que ça nous a donné un nouveau souffle. Vous posiez la question des prélèvements d'eau, ben justement ça n'a pu se faire, ça va commencer à se faire uniquement parce qu'on s'est regroupé et on a plein d'autres idées de mutualisation de nos actions locales, d'intervention dans les plis, etc. On a rendu visite à Arlette dans le collectif des Bois Noirs. Tout ça n'a été permis que par cette idée de se regrouper et de rassembler nos petites associations et des rencontres. On est obligé de quitter les lieux. Il n'y a juste pas de choix maintenant, on arrête à moins de vouloir payer quelques grosses multinationales, ça ne sert plus à rien, ça coûte trop cher, c'est dangereux et militairement c'est inutile. Donc maintenant la seule décision pragmatique c'est on arrête le nucléaire au plus tôt.